Salut tout le monde! Bon, on va basculer sur le jeu. C'est parti. Alors, où on en était? Où on en était? Si le jeu veut bien se lancer. Ah putain. Ouais, alors dans cette version de Divide and Conquer, le Balrog n'est pas sur le terrain. Le Balrog faisait parfois beaucoup crasher le jeu de façon aléatoire. Donc là, il y a une série d'events avec une armée qui arrive pour un peu simuler le Balrog. Bon. On avait repris Khazad Dûm Est et Ouest. Et on avait même poussé jusqu'à Annon and Horod. Où d'ailleurs j'ai Balin, mon roi, avec une grosse partie de mon armée d'élite qui est là-bas. Pendant que j'ai pas grand-chose qui protège les arrière-gardes. Oui, mais mes bandits qui ont été recomplétés et qui ont maintenant 2 étoiles. Mes bandits, je suis en train de les améliorer. Par contre, je ne peux pas recompléter mes autres troupes. Bah ouais. Donc certes, j'ai repris Khazad Dûm, mais rappelez-vous que regardez, la culture naine à Khazad Dûm n'est que de 14%. Je ne vais pas pouvoir construire de troupes à Khazad Dûm tant que ma culture ne va pas augmenter. Là, par exemple, ma culture naine à Khazad Dûm Est est de 21%. C'est pour ça qu'il faut que j'ai rushé les premiers bâtiments que j'ai construits, ce sont entre autres les brasseries. Parce que les brasseries vont me donner des bonus de culture. Donc c'est... Je me suis dépêché de rusher ça. Surtout que je fais de l'argent. Je fais pas mal de thunes. Est-ce que j'aurais pas des mercenaires à recruter? Oh non, mais de la cavalerie, je m'en branle un peu de la cavalerie. Hein. Soyons honnêtes, c'est pas de la cavalerie qu'il me faut, ça serait plutôt de l'infanterie. De l'infanterie, ça serait le top. Non, ici, y a rien. Attendez, je vais mettre le son dans le casque. Vous allez rire, mais je me suis fait copyright claim comme une merde. Pas à cause de la musique, mais je me suis fait copyright claim à cause du changement de tour. Quand le jeu passe de tour, il lance une musique originale du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Et je me suis fait copyright claim les changements de tour. Vous auriez dû voir, j'étais salé. Hein. J'étais très salé. Hein. Donc là, je couperai le son à chaque changement de tour parce que c'est pas considéré comme musique. Les changements de tour ne sont pas considérés comme de la musique, mais comme des effets sonores spéciaux. Et je me suis fait niquer comme une merde. Ah la vache. Ah, j'étais un peu salé. Mais bon, je me suis fait avoir. C'était la première fois que je streamais du Divide and Conquer. Et je me suis fait avoir. Voilà. Ça m'apprendra. Alors. Bah, pour l'instant, malheureusement, mes choix de jeu sont limités. Je ne peux pas produire. Les elfes sylvains. Alors, très intéressant, regardez. Ici, on voit que les monts brumeux ont pris... Il y a un bled qui s'appelle Gladden. Ils ont pris Lower Gladden. Les monts brumeux sont descendus très au sud. Ici. Alors, pour ceux qui connaissent pas le lore, Gladden, ce qu'on appelle Gladdenfield, les champs de Gladden, c'est là où Isildur a perdu l'anneau. Isildur a perdu l'anneau, sûrement, dans cette rivière de merde, là. Regardez, dans ces marécages. Isildur a été tué ici, et c'est ici que l'anneau, il a perdu l'anneau unique. Une des raisons que Sauron va venir se poser à Dol Guldur, c'est qu'il veut, à tout prix, ratisser les champs de Gladden pour retrouver l'anneau unique, parce que Sauron sait que l'anneau unique a été perdu ici. Il y avait du Hobbit dans le coin, mais oui, mais ils sont toujours là. Ici, là, c'est une base Hobbit. Les Valesmen, là, on le voit pas, ce sont des Hobbits qu'il y a ici. Donc, en fait, les Hobbits qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, Sméagol, qui pêchent, ils pêchent dans cette rivière, en fait. Ils pêchent dans cette rivière, et ce sont les Hobbits, ce sont les cousins des mecs de la comté, et ils pêchent ici, dans les champs de Gladden. Et Sméagol sont des Hobbits pêcheurs de ce coin-là, qui pêchent sur l'Anduin. Voilà, c'était la page lore, on en fera de temps en temps. Bon, au niveau économique, je suis bien. 7276 ducats, je vais faire de l'argent. Tant mieux, j'ai commencé à me constituer un petit trésor de guerre. Hein. Par contre, il y a des monts brumeux partout. Hein. Oh là là, monts brumeux. Va falloir que je pète la gueule des monts brumeux. Là, mon but va être de taper sur les monts brumeux pour aider mes alliés. Souvent, le but à Divide and Conquer, c'est pas tant d'être fort, mais c'est de faire en sorte que vos alliés IA survivent pour qu'elles puissent après steamroll les factions du mal. Bon, allez, c'est parti. Merde, j'étais pas allé voir ma mission. Zut.
Salut Scoffron! Je crois qu'il fallait que j'aille voir Angmar. Si mes souvenirs sont bons. Mais bon, je me rappelle pas de ce que j'ai mangé ce matin, alors la dernière session de Diva and Conquer. Ah là là, tu choisis de pas regarder du Warhammer 3 pour venir voir jouer, pour venir voir du Divide and Conquer. C'est beau. Voilà, Angmar. Alors attendez, j'ai vu un mec d'Angmar passer là. Bon, non, c'est bon. Hop. Alors, sachant que les nains des Montagnes Bleues ont accepté l'offre de Sauron. Normalement, ils sont en trêve pour au moins 10 tours avec Angmar et compagnie. Ce qui me fait vraiment chier. Bon, on va leur proposer Treadright. Ils vont accepter, voilà. Ouh, ah merde. Mais regarde, vous ne pouvez pas être récompensé parce que vous ne pouvez recruter aucune unité. C'est la première fois que je vois ce message de merde. Là, je suis salé. Hein. J'avais fait cette mission pour espérer avoir du pognon. Ah putain. Bon, j'ai fini mes deux brasseries. La première brasserie à Casa Doom. Donc on va enchaîner sur un pub. Là, je vais avoir des 4 bonus de culture. Allez hop, le pub. Et Anon and Arod, on va aussi mettre un pub. Là, il me faut à tout prix le plus rapidement possible de la culture. Et on pourrait peut-être... Regardez, il n'y a aucune troupe des Monts Brumeux. Je vais prendre mon général, Balin, et on va aller poser des tours de guet pour avoir de la vision. Voilà, regardez, je vois la ville de Bruinost. Juste au-dessus. Je serais tenté d'aller faire une descente sur Bruinost. Mais j'ai pas assez de troupes pour le moment. Là, je suis vraiment... Je suis assez ric-rac hein, au niveau ressources. Hein. Est-ce que j'irai pas poser une tour de guet ici? Voilà, je vois un peu plus en profondeur dans les champs de Gladden. Sachant que les Monts Brumeux peuvent arriver du nord, là c'est connecté. Donc je peux prendre une armée des Monts Brumeux par ce flanc-là. Donc je vais aller poser quelques tours de guet sur les flancs. Ah non, mais les gars, vous comparez pas Lord of the Ring à d'autres univers. Le Seigneur des Anneaux, c'est au-dessus de tout le monde. Voilà. C'est comme comparer Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. C'est comme comparer une Clio et une Ferrari. Oui, c'est des voitures. Mais est-ce que ça se compare vraiment? Est-ce que ça joue dans la même catégorie? Ben non. Le problème du Seigneur des Anneaux, c'est qu'il n'y a personne dans sa catégorie. En termes de profondeur et tout ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, Balin, je devrais pas tarder à voir les events où Balin va être tué. Mais... on peut choisir de partir sur une piste historique où Balin survit et où le royaume de la Moria va survivre. Enfin, j'espère. Ah, les Dwarfs of Eredluin. Ah, ils sont pas si loin que ça. On va aller voir mes cousins qui étaient mes alliés. Oh, d'accord. Et ici, Angmar en profite pour récupérer des terres. Putain, la cata. La cata. Le Rune vient d'attaquer Dorvignon, tour 37. Enfin, on va croiser les doigts pour Dorvignon. Alors là, on va... Hop, une première tour, une deuxième tour, comme ça, s'ils m'attaquent, je les verrai arriver de loin et j'aurai le temps de décaler des troupes de Casac Doom Est et Ouest. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me veut, l'autre, là? Ouais, c'est du singe. Une tour de guet ici pour couvrir l'aile sud, voilà, et on retourne se cacher dans la ville. Dans les livres, en fait, Dorvignon, on sait pas grand-chose de Dorvignon. Hein. 6400. Putain, là, j'ai personne dans... je joue tellement avec le feu, mais je m'en tape. Quand je vais pouvoir commencer à produire des unités de base, déjà, ça va aller beaucoup mieux. Ouais, c'est ça, le vin de Dorvignon. C'est une des rares choses qu'on connaît, c'est qu'ils font du vin. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez les vignards, vous avez les vignobles en bâtiment quand vous jouez une très très bonne faction Dorvignon. Hein. Ah oui, oui, hein. Y a du commerce qui circule. Hein. Y a beaucoup de commerce qui part de... Casac Doom peut devenir
Oh, le mont. Ah oui, Gundabad qui avait été déjà. Regardez Dorvignon qui resplendit. Donc, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que Dorvignon a occupé pas mal de. Sûrement 7 ou 8 provinces. C'est bon signe. On va continuer à aller mettre des tours. Hein. On va y aller avec ma paire de baloches. C'est un peu osé ce que je fais d'envoyer un de mes meilleurs générales. Voilà, parfait. Donc là, j'ai sécurisé toute la frontière. S'il y a une grosse armée qui descend par le sud, je la verrai arriver. La guerre est déclarée entre les Dune Landings et Ened Wais. Ce qui est bon signe parce que comme ça, les Dune Landings sont généralement alliés à l'Isengard. Et bah, Ened Wais a refusé les offres de l'Isengard. Ouais, les mines coûtent cher. Ah, les mines coûtent cher. Bah, je suis en train d'économiser. Hein. Putain, par contre, les monts brumeux, ils ont une espèce d'armée là-dedans. Oh là là! Ça m'a toujours fait tiquer que Gimli... Absolument. Absolument. Oh, bah regardez. Quand on parle des... C'est curieux que l'information soit pas passée. Mais ça a un côté dramatique qui est sympa. Comme dit, il y a parfois des incohérences dans la version de Jackson. Mais les incohérences, je peux comprendre pourquoi elles sont là. C'est pas du point de la sœur d'Isildur, quoi. Les mines rapportent énormément. Alors, on m'a demandé d'être copain avec Eredwin. Donc, je vais commencer tranquille. Ah bah, d'accord. Map information alliance. Military access, tu vas accepter, hein. Non. Oh, mais putain! Il refuse, mais genre... T'as pour sucer les anneaux de Sauron, là, il y a du monde. Oh là là, regardez un peu ce qui arrive. Une nouvelle petite armée. Je vais avoir de quoi les repousser. Sans trop de problèmes. J'espère, en tout cas. Hop, on va commencer à faire marche arrière. Et on va revenir... Bon, dans un tour, je finis mon pub. Ça va me permettre de faire beaucoup plus de culture. 11 000 ducats, on fait des stocks. Ouais, c'est de la merde, les unités. Hein. Les montbrumeux, on les croque. Hein. Alors, c'est quand même chiant, parce qu'ils ont, des gros stacks, ils ont beaucoup de tireurs. Ils sont chiants, les montbrumeux. Ils font du spam... De beaucoup d'unités, et toi t'as pas beaucoup d'unités, tu peux pas en produire. Au début tu dois faire le gros dos, tu dois les laisser venir s'empaler sur tes villes. D'ailleurs, Brunost a été vidé. Est-ce que je peux faire des espions? Ah bah regarde, il va m'attaquer ce FDP là. Putain. Amour universel sans gluten. Ça c'est du bon pseudo, putain. Quelqu'un avec un sens de l'humour. Le Hornburg est assiégé sûrement par l'Isengard. L'Ithilien est attaqué. Ça, c'est Sauron. Les armées de Sauron en train de pousser en Ithilien. Alors, le pub est terminé. Alors, réfléchissons. La priorité, la culture, bah non, ça va se faire tout seul. Ça va aller assez vite. Je vais pouvoir commencer à... Master Stonewall, oui. On va commencer à faire tout de suite les upgrades. Pour construire moins cher et plus vite les bâtiments. C'est un investissement qui va se rentabiliser sur le long terme. Bon, là, je vais sûrement être attaqué. Il y a quoi là-dedans? Il n'y a aucun général. Il y a les Uruk Overseer qui me dérangent un peu. Mais à part ça, il y a que du gibon. On va les casser sans problème. Putain, Brunost. J'ai envie de faire une descente sur Brunost. Mais dans ce cas-là, j'ouvre mon anus à une attaque sur Harrod et N... Ah, non, on va pas prendre trop de risques. Ah bah c'est mes bandits, je les envoie faire le sale boulot, hein. Ils sont là pour ça, hein. Au prix où je les paye, ces FDP. Construis une garnison à Annon. Ouais, c'est prévu. Les garnisons, c'est indispensable. Surtout avec les nains, parce qu'ils te filent une unité pas dégueulasse. Ça ouvre bien les mecs des monts brumeux. Vu qu'il y a beaucoup d'infanterie légère chez les Montgrumeux. La brigade Balkany. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, regardez, Owen! Owen, regardez les stats qu'il a! Mais quel monstre! Quel tchad! Allez, on retourne
dans la Moria West. Non, 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 non. S'il gagne cette bataille, je m'autosus. Je m'autosus sur mon OnlyFans. Je crée un OnlyFans pour, juste pour m'autosucer. J'ai pas intérêt à la perdre. Alors, les archers, on va mettre en formation desserrée. Voilà. Voilà. On va mettre les brigands en première ligne. Parce que les brigands, je peux les recompléter. Mon général, Oin. Et on va garder les troupes que je peux pas recompléter en réserve. Voilà. Vraiment, il y a tout. C'est parti. Allez, on va passer en vitesse x6 parce que c'est une armée de singes. Bon, ils sont en train de détruire la porte. Allez, venez! Je vous attends, moi! Ouais, c'est Nagastalker, c'est de la merde! Allez, saucez-moi ça. Allez, on attaque directement le général. Regardez-moi ça, de l'infanterie lourde naine. La Zenith Guard. Ça, c'est de l'infanterie lourde late game. Hein. Quand vous avez ça, vous êtes heureux. Hein. Allez, on va contrecharger. C'est parti. Ouh, les javelots. Attendez, on va mettre un peu de son. Faudra que je pense à l'enlever à la fin du tour. Oulala, c'est qu'il tombe vite, mais... Putain. Mes archers qui tirent par-dessus. On fait du kill, voilà. 9%, j'ai pris des pertes aussi. Allez, saucez-moi tout ça. Alors, leur infanterie lourde, elle est pas là. Regardez, ils sont ici. Regardez, ces cons, ils chantent. Va aider tes potes en première ligne, là. Oh, j'ai eu le général ennemi. Ah bah, ça aurait été rapide, hein. Captain Zagloon. Déjà, ils ont un moral de merde, mais là, ça va pas aider, hein. Ouais, c'est les brigands qui meurent. J'ai perdu un seul mec de la Zenith Guard depuis le début. Donc c'est mes brigands qui prennent des pertes. On peut se permettre. Les brigands, ils sont là pour ça. Hein. C'est ma viande. Hein. Regardez la vitesse à laquelle ça tombe. Je suis pas en vitesse x6. Hein. Je suis en vitesse x1. Hein. Attends, là, c'est la fête. Je voudrais bien tirer sur les Uruk Overseer. Voilà. Allez, dépêchez de les faire fuir. Non mais avance pas plus, putain d'archer à la con. Allez. Ah, les archers sont un peu cons, hein. C'est pas le genre de carte où vous voulez faire de la grande manœuvre, hein. Allez, maintenant là, je suis... Allez les gros. Voilà. Si je peux en tuer quelques-uns. Mais regarde, c'est quoi ces skirmish, ces naga qui tiennent 10 ans là. Allez les gars, on lâche là. C'est pas les portes ouvertes aujourd'hui, hein. Voilà, en fait, la petite perte, les petits dégâts d'attrition. En plus, c'est parfait parce qu'ils ont mis leur troupe de choc avec une autre unité. Donc, même si je touche pas la troupe de choc, je fais du dommage collatéral sur l'unité à côté.
Ah bah ils les ont tous tués. Putain. Allez, on va flanquer moi tout ça. Ok, alors, les overseers, là, ils vont faire un peu bobo. On va renforcer avec mes nains. Oulala, ouais, les overseers, ça fait bobo à la Zenith Guard, hein. Tout de suite, c'est pas la même, hein. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. Allez, allez. Ah bah putain, ça se passe pas aussi bien que ce que je pensais. On est sur du 24-46, c'est du 1 pour 2, au niveau pourcentage. Le problème, c'est ces troupes de choc, là, les Uruk Overseers qui sont en train de faire bobo dans ma zone de garde. Croisons les doigts que mon général se fasse pas sniper comme une merde. Mais bon, 3 étoiles, very unlikely. Putain, l'autre, il me balance un javelot. Allez, on sauce, là. Voilà, ça tombe. Voilà, ça tombe les overseers. Ils sont tombés à 32 sur 50. Ça se passe bien. Allez, on les mange. Putain, mais j'ai plus que 65 bandits, hein. Merde, j'ai fait un misclic. Le misclic qu'il fallait pas. Allez, dépêche-toi de le manger, là. Oh là 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 là, mais bandits qui sont plus que 54, allez. Mangez ces FDP, s'il vous plaît. Ok, ils sont broken. C'est broken. Par contre, ok, c'est bon. La Zenith Guard. Dans le dos, voilà, c'est bon. Là, ça va fuir. C'est le sauf qui peut, général. Par contre, on va essayer de les capturer et faire de l'argent. Voilà, regardez-moi les prisonniers, là. Y'a bon. Vitesse x6, on va essayer d'en capturer le maximum. Si on peut monter à 500 prisonniers, ça serait génial. Ah bah, regardez le carnage. Oh bah, il y a un petit... Oh putain, je suis tombé dans la Moria. Pardon, voilà. Ah, les nains qui sont lents. Je vais jamais réussir à avoir mes 500 prisonniers, hein. Regardez-moi ces cons, là. Oh, les pass-fighting des unités. Le jeu a tellement pas été designé pour faire ce genre de folie. Allez, 400 peut-être. Non, je serai pas à 400, tant pis. Allez, on va s'arrêter là pour la bataille. Beau travail. J'ai quand même perdu 116 mecs, hein, mais j'ai en grande majorité, c'est mes brigands. Prouesse des devs quand même, absolument. Incroyable. La première fois que j'ai joué dans la Moria, j'étais... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'était génial. Même la première fois que j'ai vu l'Isengard et tout, les... Même le gouffre de Helm est magnifique. Oublie pas le son, merde. Heureusement que tu m'y fais penser, le Glaude. Heureusement que tu m'y fais penser, j'avais oublié. Bon, allez, on va rançonner. Allez, ils ont payé la rançon. Aïe, j'avais oublié de... Hop. J'avais oublié d'enlever le son. Il fuit pas du bon côté, ne cherche pas à comprendre. on croirait voir moi à Command Ops. Mais par là-bas. Putain, les cons. Hein. Oh mais non, le chef de Brie est mort. Oh là là. La Laurienne sous attaque, au secours.
Osgiliath sous attaque. Ben voilà, vous avez encore d'autres mauvaises nouvelles? Vous avez encore d'autres mauvaises nouvelles comme ça ou... Ça va? Kazakhdoum, on a fini le pub. Alors, à Kazakhdoum, on va aussi construire un Master Stone, voilà. Bon. Kazakhdoum, on a dû passer les 50%. 32%, on est encore loin, hein, putain. Ouais, 46%, d'accord. 27. Putain. Ah! J'ai envie d'être greedy, hein. J'ai vraiment... Oh, non, mais je peux même pas recompléter les brigands. Je peux même pas recompléter les brigands. Qui attaque la Laurienne? Je pense qu'il doit s'agir de Dol Guldur. J'ai pas la... Malheureusement, j'ai pas la vision. Attendez, j'ai... Hey. Je peux faire des troupes, ça y est! Oui! Ça y est, j'ai suffisamment de culture! Oh mon dieu! Oh bah alors là, là, je... Les sentries, elles ont le shield wall, parfait pour défendre. On va pouvoir commencer à passer aux choses sérieuses, hein. Ah oui, le toggle FW, c'est vrai que... Trichon! Trichon! Qui attaque Dol Guldur? Putain, c'est les monts brumeux! Depuis leur base des champs de Gladon, les monts brumeux... Oh là là, ils ont pris Fenholm. Ils ont pris... Oh, les monts brumeux! Et ils sont en train de faire le siège de... Oh. Les monts brumeux, on est... contrôle les deux côtés de trucs. Oh, mais regardez les stacks d'armées des monts brumeux. Oh, par contre, regardez les généraux elfes. On a... ah, on a les fistons de... Elrond. On a... Putain, ils ont... Il y a tous les gros généraux elfes qui sont là. Faut pas qu'ils meurent, ceux-là. Bon, on est... Voilà. Voilà. Ok, on sait comment ça se passe. Je vais pouvoir passer à l'attaque. Il faut vraiment que j'aide mes alliés. Hein. Les monts brumeux, là, sont ennuyeux comme la pluie. Quand on a une faction du bien, ça donne quoi comme bonus le contrôle de l'anneau? Ton général va devenir génial, en fait. Hein. Ton général va devenir porteur de l'anneau. Il va avoir des stats assez monstrueuses. Et ça va débloquer une série de quêtes qui est la destruction de l'anneau. On va, on va avoir le conseil d'Elrond. Tu vas aller amener l'anneau, tu vas amener l'anneau à Rivendell. Et va y avoir, on va, tu vas donner potentiellement l'anneau, t'en débarrasser, pour que quelqu'un d'autre le détruise à ta place. Ou alors, tu vas recevoir des bonus d'aide pour aller détruire l'anneau en Mordor. Tu vas devoir aller amener ton porteur de l'anneau à la montagne du destin. Oh, et Kend! Putain, Kend qui reste avec le Mordor! Ce run ne se passe pas forcément de la meilleure des façons possibles. On va accepter la Gundabad assiégée, mais ça, on a vu que... L'Ithilien était perdu. Ok, le Mordor est en train de passer à l'offensive. En 2 ans, j'ai jamais réussi à choper l'anneau. Je l'ai eu 2 fois. Et 1 fois, j'ai réussi à le détruire avec les elfes sylvains. Un magnifique run. Mais c'est vrai que c'est pas facile de choper l'anneau. Hein. Faut un peu de chance. Hein. Les pubs ont été construits à Annon et Arod. On va installer une garnison en priorité. Je crois que c'est... Non, c'est pas Armourer. Healer Post. Oh merde, j'ai pas la garnison. Large Pig Farm, Inner Quarters. Ah si, c'est Armory. C'est Armory, voilà. Provide garnison when assaulted. Voilà. Et on va se préparer à mener... on va comme... Ouh là là, regardez ce qui arrive. Regardez ce qui arrive. Un nouveau stack de gobelins. Mais c'est pas grave, parce que là, je vais pouvoir commencer à recompléter mes troupes. Voilà, je vais pouvoir recompléter mes archers. Hop, voilà. Est-ce que je pourrais pas recompléter aussi mes laboureurs? Normalement, si. Voilà, je peux recompléter mes laboureurs. Je vais pouvoir recompléter 2 unités, là. C'est génial. Ça fait du bien de pouvoir produire mes premières unités. Hein. Donc, il fallait juste avoir suffisamment de culture. C'est pour ça qu'il faut rusher les bâtiments. Ah bah oui, le... Cool tour avec de la bière et tout, hein. Alors visiblement, ouais. Le siège a été repoussé. Facile. J'ai pas de mission pour le moment. Oh, les Dunedins qui tapent. Attends, est-ce que ça serait pas Aragorn avec autant d'étoiles? Si, je pense que c'est Aragorn.
Regardez le général des Dunedain là. Full étoile. Il n'y a qu'un seul général des Dunedain qui a autant d'étoiles en early game. Je pense que c'est Aragorn qui se balade avec une troupe de Dunedain. On va aller voir. Je pense que c'est mes alliés, je devrais avoir la vision. Aragorn qui est une bestiasse. Hein, Ouh, Brunost. Très grosse armée à Brunost. Si je pouvais m'en débarrasser et aller prendre Brunost, ça serait très chouette. Oh, les sorciers bleus. Oh, The Blue Wizard. Qui ont été tués. Ça, c'est une catastrophe. Non, je vais pas me payer tout de suite. New mission. Les hauts elfes. On va aller voir les elfes. Voilà. Ah merde, j'aurais peut-être dû... Bon, tant pis. Bon, je commence à avoir une armée. Pas dégueulasse. Alors, est-ce que c'est Aragorn? Mais oui, c'est Aragorn. Regardez Aragorn, les stats de FDP qu'il a. Quel monstre. Bon, là, il devrait déjà avoir 70 balais et quelques Aragorn. Hein. C'est un descendant des Dunedain de Numenor. C'est un monstre hein, sur le champ de bataille. Et en plus, il se balade avec, avec la Grey Company, qui est une excellente unité. Bon. J'ai une troupe qui vient pour me dire bonjour. Une nouvelle attaque. Mais là, ils vont être accueillis comme il se doit. Parce que je commence à avoir aussi une belle petite armée. Et on va continuer de faire... Là, je vais commencer à faire des archers. Là, je vais produire de la troupe. Hein. Là, le but, maintenant, c'est production, production, production. Et on va commencer à aller taper les monts brumeux des deux côtés. Hein. Sachant que dès que je peux, je lève une armée. J'amène 2-3 généraux. Et on va aller attaquer Goblinton. Hein. Là, il faut taper les monts brumeux dans leur gros centre de production. C'est une sacrée armée, ouais. Ils ont pas de généraux avec leur armée. Leur armée, elle me fait pas peur. Hein. Tant qu'il n'y a pas de généraux de l'infanterie lourde qui pourraient contrer mon infanterie lourde, on est bien. En plus, regardez, j'ai Aragorn qui fait un peu le ménage. Allez, Aragorn, défonce-les! Voilà! Ils peuvent mourir de vieillesse, ces généraux. Non, je crois pas. Par contre, ils peuvent mourir au combat sans aucun doute. Il est si vieux que ça, Aragorn, je lui ai 30 ans. Non, Aragorn, dans les films, a 82 ans, je crois. Donc, c'est un descendant direct d'Isildur. Donc, il a le sang des Numénoréens. Il a la longue vie. Les Numénoréens vivaient facile jusqu'à plus de 200 ans. Oh, il vient même pas faire le siège de la ville. Le gouffre de Helm est assiégé. Alors. Ah putain, il faut 2 tours pour faire des archers elfes, pour faire des archers nains, c'est une blague. 2 fucking tours. Regardez l'infanterie merdique, les volontaires de Khazad, ils ont 14 de défense, 8 d'attaque, ils sont monstrueux. Et pourtant, c'est des troupes... Bon, c'est pas des troupes fameuses, quoi. Hein. Bon, là, plus qu'un tour. Là, plus qu'un tour aussi. Et après, je vais pouvoir commencer à construire des bâtiments industriels, militaires, économiques. C'est vrai que je pourrais essayer de commencer à faire un turnover de troupes. Sachant que l'infanterie des Rebor ne va plus être utile parce que je ne peux pas la produire. Pareil pour les Dragon Slayer. C'est des unités que je ne peux pas recompléter parce que c'est des troupes des Rebor. Je vais avoir, en fait, des nouvelles troupes qui vont remplacer les anciennes. Par contre, les archers, eux, je pourrais les recompléter. Les volontaires de Khazad Dûm aussi. D'ailleurs, je commence déjà à avoir des bonus avec de la garnison. Si tu peux, t'es sûr? Moi, je crois pas. On va essayer. On va essayer. Les unités d'élite sont-elles vraiment hors de prix? Oui. C'est pour ça qu'il faut très tôt investir dans l'économie et dans la population. Par exemple, là, je ne monte pas mes impôts. Tous mes impôts sont au plus bas. Parce qu'il me faut de la pop dans mes villes. Putain, regardez, c'est qui ça? Ah non, il n'y a aucune troupe. Putain, la gueule des troupes, elles sont étriées, quoi. Là, on va continuer de produire. Hein. Est-ce que je pourrais pas commencer à rassembler une armée? Le problème, c'est que je peux pas y aller en une fois. Je voudrais bien que ce stack dégage.
et je vais pouvoir commencer à rassembler une armée et aller attaquer Brunost. On va commencer, ouais, j'ai envie de mettre la pression sur les monts brumeux, le plus vite possible. Oui, c'est ça. Même, il faut pas augmenter les impôts à moins que vous ayez pas le choix. Que vous allez partir en guerre, vous avez des grosses armées à entretenir, là, vous pouvez augmenter les impôts pour une courte durée. Mais il faut pas chercher à être toujours... Il faut toujours avoir les impôts minimum. Il faut privilégier la population et le développement de la pop pour avoir plus de commerce et plus d'impôts après, quand vous allez le faire. Alors ouais, Nico, mais ça, en suivant le script, c'est ça. En fait, tu pourras faire des troupes d'Erebor et d'Eredluin à condition si tu suis le script. Mais il y aura un event qui va arriver pour ça. Pour l'instant, je ne peux pas compléter les troupes. Il va falloir que j'attende l'event. Il va falloir que Balin soit couronné roi et reconnu comme tel. Je vais aller voir les elfes. Il me semble que la ville doit être... Voilà, les Greyhaven. Et on va leur proposer information, une alliance plus tard. Voilà. 750 ducats, je prends, on aime l'argent. Ouh, là je peux faire des troupes, ça y est. Alors, Stonewall, Guildhouse, non, pas besoin d'aller autant. On va commencer à mettre des fermes à cochons. Pig Farm. On va faire augmenter la pop. Large Pig Farm. Practice Range pour les archers. Mining Network, putain. Plus 1... Plus 0,5 de bonus de culture, c'est incroyable. Les mines naines sont tellement fortes. Mais ça coûte cher. 5900 ducats. Pour l'instant, on va se contenter d'améliorer la prod de bouffe. Ouais, ils ont mis Rome Total War. D'ailleurs, ils vont mettre Medieval 2 Total War sur téléphone aussi. Je crois, prochainement. Ce qui est plutôt génial. Oh, magnifique. Magnifique. Il a fait ce que j'espérais. On va prendre toutes les armées. Hop, hop. On va laisser le minimum syndical pour défendre. Hop. Et on va aller se poser là. Et on va lever une armée. Et on va aller attaquer Brunost. Je vais peut-être retirer deux unités pour aller les recompléter. À Khazad Dûm. Parce que c'est quand même des bonnes troupes là. Hein. 3 étoiles avec une armure. C'est pas dégueu. Hein. Oh, je peux recompléter mes... Et là, celle-là, je vais aussi pouvoir la recompléter. Magnifique. Je recomplète toutes mes armées. Et je continue de produire. Donc ouais, au niveau du lore, j'étais allé chercher des renseignements sur Gandalf en envoyant un de mes diplomates à Brie. Donc là, maintenant, j'attends des nouvelles. J'ai envoyé des messages comme quoi j'ai besoin de Gandalf. On va voir quand Gandalf va daigner répondre. Les IA ont-elles des avantages économiques? Oui, elles ont des avantages économiques, elles ont des avantages de production, elles commencent avec plus de villes. Les IA sont pas mal boostées, ouais. Il faut au moins ça. Hein. Oulala, regardez l'armée qui arrive là. On va aller se planquer à Nonorod. Voilà. Et là, on va aller recompléter avec de la viande fraîche. Voilà. Parfait. On va plutôt recompléter celui qui est le plus bas. Voilà. Et ici, quand est-ce que je peux produire? Putain, il me manque... Non, en fait, j'ai pas les bâtiments ici. Practice Range, non. Il me faut l'union des mineurs pour pouvoir recruter des Zenith Guard et tout. Ok, on va finir en vitesse les bâtiments d'amélioration et après on va faire des bâtiments militaires. Parimat, heureux. Mais c'est ça, Gandalf, il est en train de fumer sa pipe à la con, là. Il tire ses feux d'artifice pendant que moi, je suis en train de me battre contre des monts brumeux. Je me débarrasserai bien de cette armée, là. Ouais. Allez, on va aller faire un peu d'XP. On va aller taper cette armée. C'est parti. Ils sont 1800... Il n'y a aucun général, on va les écraser. J'ai beaucoup d'archers, donc on va faire un peu d'XP. Et peut-être que je vais pouvoir faire de l'argent. Je vais les rançonner, ces FDP. Hein. Visiblement, ça paye des rançons. Ça paye des rançons, donc on va aller faire de l'argent. C'est rare qu'avec les nains, j'ai autant d'archers. Hein.
C'est rare. Mais là, j'ai désespérément besoin de troupes. Et les archers, c'est de la troupe. Ah, c'est très rare que j'ai autant. Putain, je suis pas habitué à avoir autant d'unités. Autant d'archers, pardon. Baline en première ligne. Voilà. Voilà. Les reclaimers, on va les mettre en réserve. Voilà. Bon, malheureusement, je vais devoir aller les chercher. Lia. Oh, bah non, il vient me chercher. Mais viens, gamin. Viens, gamin. Viens aussi fort que t'es con. Ah non, 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 il se bat. Non, il fait quoi? Non, non, il avance. Bon, je... Ok, je vais venir le chercher. S'il veut pas venir jouer. Non, pas besoin de courir, même si avec les nains, c'est tentant. Voilà. Passe en vitesse x6. Oh putain, j'aurais peut-être dû courir. Oh, je me fais saucer. Bon, c'est du gobelin, mais je vais quand même prendre des pertes. Oh putain, les wargs là-bas. Regardez-moi ces espèces de petites saletés là. En face, il y a quoi? Mais il y a que de la light, on s'en bat les steaks. Allez, full attaque. On s'en branle, on court. Je vais envoyer une unité, les reclaimers. Au cac. Là, on va empiler les cadavres. Voilà, simple et efficace. Baline. Oulala, oulala, là, ça fait bobo. Hop, 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 toi, décale là. On va au cac. Alors toi, tu commences à me faire chier. Ouais, ils sont casse-couilles, les wargs. Hein. Alors, les wargs, ils ont des arbalètes, t'es sûr? Ah oui, absolument, bien vu. C'est pour ça qu'il me fait très bobo. Ouais, regarde, ce sont des sales bêtes, hein. Voilà. Ok, ça commence à fuir. Eh, y a pas de général, hein. Là, on va essayer de faire quelques prisonniers, je suis déjà à 50. Ah, les wargs qui viennent au cac, ça y est. Ah bah non. Bon, on va les saucer. Hein. Bah, 9% de pertes. J'ai pris beaucoup de pertes quand même. Mais bon, ces putains de wargs là me font vraiment bobo. Allez, mangez-moi tout ça là. Bon, ça tombe, les wargs, au revoir. Oh putain, mes dragons qui prennent cher. Le chasseur de dragons. Tant mieux, si j'arrive à me débarrasser de l'unité sans qu'elle me charge. Parce que même ces petites saloperies là, avec le bonus de charge, ça fait bobo. Hein. Voilà, c'est en train de tomber. Putain, il résiste bien ici. Hein. Allez, c'est passé, on file derrière. Ah bah voilà, il broque. Hop, pas la peine de poursuivre. Bah, on va voir le sauf qui peut général là. Je passe sur ses arrières, voilà.
Je vais même dire à mes archers d'arrêter de tirer parce que ces cons vont faire du friendly fire. Oh ouais, j'ai eu le général, c'est bon. C'est bon! Oh bah voilà. Bah voilà! Allez, au revoir, on va essayer de faire quelques prisonniers, mais j'ai pas de cavalerie. Pas la peine de poursuivre. C'est là où j'aurais peut-être dû recruter une cave juste pour faire du prisonnier en fait. C'est vrai que j'ai beaucoup d'archers là. Mais en fait, je peux produire que ça pour le moment. Et bah, j'ai besoin de troupes. Voilà. J'ai besoin de troupes. Et les archers nains, même si c'est. Là, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Et même au cac, hein, contre les gobelins, ça passe, hein. J'ai juste besoin de viande là pour tenir la ligne. Ben c'est ça, en early, c'est du snaga. Ah là, j'exécute, hein, c'est bon. Hein. Alors, on va regrouper une petite troupe. Une troupe motivée. Ça. Ouais, ça va défendre, je pense. Et on va aller attaquer Brunost. Sachant qu'éventuellement, j'ai des renforts qui sont prêts à être envoyés. On va prendre des risques. Hein. On va envoyer ça et ça en support. Voilà. On est bon. Normalement, les bâtiments, c'est bon. C'est bon. En plus, là, dans un tour, j'ai mon armorerie qui est terminée. Je vais même me payer le luxe d'envoyer une unité supplémentaire. Pour attaquer Brunost. Voilà. Les gobelins. Alors, les orques et les gobelins, c'est la même chose. Les orques, les gobelins, les urukai sont la même chose. C'est juste que les urukai, par exemple, sont des orques un peu plus gros. Mais ce sont la même chose. Donc, il y a. Ce que les urukai sont expliqués dans le film, c'est très mal représenté, puisque ces orques, semi-hommes, semi-orques, existent depuis déjà très longtemps. D'ailleurs, le Mordor en a aussi. Oh non, le son, merde! Ok. Merde! Putain, le son! Je me suis fait niquer, bon, on verra bien. J'aurai sûrement un copyright claim! Oh, putain! Oh là là! Les monts Bruno près de la Moria Est. Ok, je vais aller voir. J'ai un général, 3 étoiles, avec galon doré. La Lorienne sous attaque. Ouais, je pense qu'ils sont allés assiéger la Lorienne. Ouais, c'est bon. Allez. Oh, je peux attaquer tout de suite. Bon, c'est parti, hein. Y'a quoi dedans? Y'a quoi? Ah, y'a quand même un gros général. J'ai 4 archers. C'est de la troupe qui est déjà. Y'a pas d'infanterie lourde. Y'a juste des 16 overseers. Et il y a le général. On va la faire, la bataille. On va la faire. Je pourrais attendre et faire des dégâts d'attrition sur le siège. Mais on va aller attaquer. J'ai des archers. Trafique le jeu et vire le son. T'es un genre facile à dire, ça. Tu me prends pour un modeur ou quoi? Ah oui, le Seigneur des Anneaux. Tous les sons du Seigneur des Anneaux, ils sont encadrés et tout. Alors... Oh, en plus, cette carte va être magique. On va faire un sacré abattoir. Voilà. Le but va être de prendre le minimum de pertes en dégageant cette armée. Hop là, on va faire ça, comme ça. Il y a beaucoup de monde en face, hein. Genre, c'est une grosse armée en face, hein. Donc, j'attaque en infériorité numérique, mais... Avec les nains, vous êtes très souvent en infériorité numérique.
Ah, voilà, un peu plus vite. Je pense pas que je sois à portée de tir. Ah bah si, je suis à portée de tir, ok. Qu'est-ce qui branle ces cons? Allez, dépêchez-vous. Voilà. Ça y est, on commence à empiler les cadavres. Je prends aussi d'ailleurs des tirs. Allez, on a déjà fait 6% de perte. Attendez, là je vais mettre un peu de son parce que bon, c'est. Les effets sonores sont pas dégueux. Voilà. C'est pas le défenseur qui gagne. Si. Parce qu'il faut que t'ailles prendre la. Il faut que t'ailles prendre la place en fait. Non, ne tire pas. Ouais, bah en fait, regardez, il y a beaucoup d'infanterie légère, archer. On va tirer les flèches. On va empiler les corps. Voilà, on va tirer un. On va essayer de faire beaucoup de dommages collatéral. Voilà, allez, empilez-moi tout ça. 9% de perte, c'est parfait. Il y a beaucoup d'unités, putain! Attends, ça c'est l'infanterie lourde, je crois, non? Où est le général? Ok, le général est là. Bon, attends, il se regroupe au centre? Bah, parfait, attendez, il y a un coup à jouer là. Je voudrais bien tirer sur l'unité du général. Hop. On va lever le mur de bouclier. On va aller se mettre ici. Voilà. Oh mais il est venu au cac! Mais merde! Avec son infanterie de merde là! Dégage! Ils sont en train de se faire manger, voilà, ils sont déjà foutus. Regardez-moi ce tas! Regardez-moi cette kill zone! Ça, c'est fait pour des archers! Là, quand vous avez des archers elfes, vous êtes aux anges. Là, vous êtes aux anges. Quand vous avez des archers elfes, c'est kiki tout dur. Allez, on va aller un cran plus vite. Mais qu'est-ce qui branle les autres archers? Mais ouais, mais les autres archers, là... Putain. Oh, je t'ai donné un ordre. Vous allez tirer sur l'unité du général. On essaie d'empiler les cadavres. Putain, il y a tellement de... Il y a tellement d'unités. J'arrive pas à sélectionner l'unité du général. Ah, je l'ai eu! Voilà. Non, je peux faire un... Allez, empilez-moi tout ça. Allez, 15% de perte, j'en ai pris 2%. C'est une bataille où il est à moitié buggé, le machin. On va se régaler. Voilà. Je déteste parfois la micro-gestion des archers, tellement mal branlée. Pourquoi tu mets pas tes étendards visibles? Parce que j'ai fait quelques tests récemment pour filmer du Third Age, du médiéval pardon, et du Divine Conquer, et j'ai viré les étendards dans le fichier de base, tout simplement. Généralement, je joue avec des étendards. Allez, on va tirer toutes mes flèches, on va aller en vitesse x6, et après on ira au cac. Ça, il va être long à tuer, hein. Pas content, pas content. Alors, on va mettre l'unité ici. Ça, tu vas passer de l'autre côté. Attends. Voilà. On va se mettre en place. On va faire du multifront. J'ai fait que 30% de perte. C'est pour dire le nombre d'unités qu'il y a. Balin, tu vas faire tout le tour. Allez, et courez, bordel. Il y a beaucoup de monde là. Putain, regardez le tas. Oh, je vais devoir liquider tout ça. Bon. On va aller au cac, c'est parti.
Voilà. Quoique là, on va se mettre en formation défensive un peu plus lourde. Là-bas, pareil. Hop. Hop. Voilà. Et là-bas, on va faire tout le tour avec Balin et on va passer par l'autre côté. Non, ils vont pas fuir, malheureusement. Va falloir que je les bute tous. Ce qui va être extrêmement long et extrêmement chiant. Oui, mais viens, illumine-moi de ton foutre. Oui, mais viens, illumine-moi de ton foutre. Ouh, et ça offre du sub, Rizli. Merci, Rizli. Aminas Morgul. Magnifique, ça va bien avec le stream en plus. Hein. Merci, Rizli. Une kata aurait fait plaisir. Ouais, mais en fait, les katas, c'est mignon. Mais les katas, ça coûte cher. C'est lent. Autant avoir de la troupe. Voilà, s'il faut choisir entre la troupe et des katas, moi, je prends la troupe. Hein. Les katas, c'est pas rentable face aux factions du mal. Parce qu'il y a trop de mecs en face. Bon, bah, on va commencer à nettoyer. Hein. 41% de perte. Là, j'ai mon pote Balin qui va arriver. En passant vitesse x6. Et pour couvrir Balin, je vais envoyer un groupe de volontaires de Khazad. Allez hop, à l'attaque. Il y a quand même un groupe d'infanterie lourde dans le tas. Putain, là, ça lag. Hein. Ouf. Voilà. Et maintenant, on attend. Putain. Vous aurez souvent ce genre de bataille. Hein. Oh, je prends des pertes quand même. Il y a l'infanterie lourde qui doit être dans le coin. Putain, il y a beaucoup quand même. ...15% de perte. On entend les autres dégueulasses là qui chantent. Ouais, non, moi je suis pas fan des catapultes. Je joue sans, genre. Je trouve que c'est trop lent sur la carte et tout ça. Par contre, je vais... Putain, je prends cher ici, hein. Pas l'infanterie lourde. Ah ouais, l'infanterie lourde est là. C'est pour ça que je prends des pertes ici. J'ai le général ennemi qui est là, 76. Je vais envoyer un groupe d'archers pour support. T'es le cac. Ici, pareil. 17% de pertes j'ai pris quand même. Hein. Je prends des pertes. Hein. Ah, les sièges, c'est casse-couille. Hein. Allez, on envoie des renforts. Ici, pareil. Ah ouais, mes archers ont tiré toutes leurs flèches, donc autant que ça serve. Hein. Ce massacre, là, c'est casse-couille. Hein. Ils sont plus de 3000. Hein. Alors forcément, bah, ils prennent leur ticket un par un. Ah, c'est long, quoi. Hein. Palin d'une Tao. Patin d'une Tao. Comment se passe ta campagne? Mais ça se passe bien. Ça se passe pas trop mal. Je suis en train de prendre une ville là, au nord de Khazad-dûm Est, qui va me permettre de faire la jonction avec les elfes. Donc là, le but va être d'aider les elfes et les Dunedain à dégager les monts brumeux de ce coin-là. Et peut-être que les elfes, après, vont commencer à faire le boulot en récupérant une ou deux villes, ce que j'aimerais bien. Oh putain, mais regardez-moi ces chieurs, là. Allez, ils sont à 80% de pertes, ça tombe, hein. Je prends des pertes aussi, hein. 27% de pertes, hein. Pourtant, j'avais 4 unités d'archers. Regardez, Balin, j'ai perdu 20. 20 Balin's Guard, hein. Et là, Balin, il meurt maintenant, je serais fou. Hein. Allez, 91%. Putain. Ah putain, tu as été à 4 gars, bah ouais. C'est pas grave, c'est les mecs des rebords.
C'est bon. Cette bataille aura été très chiante. Mais ça valait le coup de la faire. J'aurais pu attendre et me débarrasser de peut-être 20-30% de l'armée avec le siège. Mais ça valait le coup de juste... Eh, il reste plus que le général. C'est une blague! Regardez Mokhtar le terrible, là! Putain! J'ai perdu 300 soldats. J'ai perdu un tiers de mon armée. Putain, j'ai fait que 14 prisonniers. Chier, tiens. 14 prisonniers. J'aurais bien aimé faire de l'argent pour financer les pertes. Me payer une nouvelle unité avec l'argent, mais même pas. Rends l'argent, les monts brumeux! Fais chier. Ah, c'est un des meilleurs modes. Voilà, au final, je prends une ville. Hein. Une ville que je vais devoir défendre. D'ailleurs, j'espère que les elfes sont allés prendre le coin là-haut. Allez, on pipa. Voilà, bon, j'ai pris une nouvelle base. Voilà, nouvelle base d'opération. On va mettre minimum. On va commencer tout de suite à changer la culture. Parce que là, la culture, regardez, il y a zéro culture naine. Hein. Je vais partir de loin. Hein. Je vais mettre énormément de temps avant d'être capable de produire des unités ici. Hein. Il va me falloir sûrement 20 ou 30 tours. Alors, j'ai des bâtiments qui sont finis. Kazakhdoum, je voudrais bien commencer vraiment à construire de la troupe. Entre autres, avoir des nouveaux généraux. Ça m'intéresserait énormément. Mining Network aussi. Il y a tellement de bâtiments à faire. Miner Quarters, c'est parti. Anon and Aod. Hop. Stonewall, ouais. Parfait, on va aussi mettre là pour baisser le coût des bâtiments et la vitesse de production. Ah oui, les bâtiments gobelins, c'est vrai. À chaque fois, je les oublie, ceux-là. Surtout ceux qui servent à rien. L'armurerie à la con, là. Je pense pas que je puisse l'utiliser, moi, ça. Voilà. Rock Hut. Voilà. Le son, non, mais ça... Le son, c'est... Le son, c'est le son de passage de tour, pas les sons du jeu. Mais ouais, je vais baisser le son, sinon je vais oublier. Oh, chouin. Hop là. Alors, on est bien au niveau prod. Prinost. Est-ce que je peux éventuellement... Ouais. J'ai des renforts qui sont arrivés. Enfin, des renforts. Maintenant, je peux commencer à faire de la troupe, pour de vrai. On va aussi faire un diplomate pour avoir un peu la vision et peut-être trouver des nouveaux amis en Terre du Milieu. Tu veux rencontrer des elfes chauds dans ta région? Oh, chouin, t'avais fait une blague, j'avais pas compris. Mais j'ai baissé le son, putain! Mais non, mais en fait, tu me l'as dit tout à l'heure, d'accord. Voilà, c'est bon. Je vais utiliser Baline pour mettre une petite tour, hop. Pour mettre une petite tour, une watchtower, pour avoir plus de vision. Voilà, regardez. Juste une watchtower. Magnifique. C'est important, les watchtowers. Hein. Vous devez en mettre absolument partout, ça coûte que dalle. Vous en mettez partout, et vous allez apprécier d'avoir du map control. Ah merde, tu peux les utiliser, je savais pas. Ouais, mes bandits sont toujours là. Hein. Regardez. Eh, ils sont étoiles d'argent. Ils sont grades d'argent, maintenant. Ouais, c'est normal, vu qu'il sort d'une bataille. Il va recompléter. Il va recompléter, le général. Et on est bon. On est bon. Allez, hop. Tour suivant, je pense. Putain, regardez, les monts brumeux qui se baladent, genre, de partout, les machins. Les monts brumeux, je les déteste en tant que faction. Hein. Genre, c'est vraiment... les mecs, ils se baladent. Ils sont partout sur la carte. Ils taillent en deux la Terre du Milieu, quasiment. C'est une faction où il faut taper très vite dessus pour sinon il peut steamroll les alliés assez facilement. Oh, regardez-moi ça, les Dunedins qui tapent. Les elfes à Midland.
D'ailleurs, je vais déplacer mon diplomate ici et l'envoyer un peu vers le sud. Peut-être aller voir Enyad Weiss. Mais en fait, je sais pas si les elfes ont pas pris Zak'Kala, justement. Parce qu'au pire, les elfes, ils vont bien aller prendre Zak'Kala à un moment si je leur laisse, hein. Je préférais lever une armée et préparer une offensive pour filer plein nord et aller prendre Goblinton. On va aller voir un peu ce qu'il y a par là-bas. Hop. Je vais reprendre mon diplomate qui a. Je vais essayer d'aller faire une alliance. Une alliance avec les elfes. Allez. Ok. Voilà, je suis allié avec les elfes, parfait. Ça, c'est une bonne alliance que je prends. On va aller voir mes cousins des Red Wind en espérant qu'ils réacceptent mon alliance. Et si tu veux une autre campagne dans ce jeu, mais écoute, puisque tu demandes, cet après-midi j'ai fait une autre vignette de ce qui je pense sera... En fait, c'est la campagne que j'ai le moins fait. C'est la campagne que j'ai le moins fait. Et j'ai fait la vignette cet après-midi. Laisse-moi aller la trouver. Hop. 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 Regarde. Regarde! Pépé et les magiciens bleus. Ils sont morts, les magiciens bleus! Une petite campagne avec le Mordor. Je l'ai faite une seule fois, la campagne du Mordor. Ça s'était pas bien passé du tout. Donc, ça va être amusant de voir. De refaire une campagne en difficile avec le Mordor. Bon. Ça, faut déjà qu'on finisse celle-là. Chaque chose en son temps. Hop là. Oui, là, c'était Sauron sous sa forme Anatar. Quand il était un. Ouais, il se faisait passer pour un seigneur elf. Ouais, mais en fait, j'essaie de faire des campagnes qui sont pas trop redondantes, en fait. Pépé qui joue la facilité. Alors, Macarius, pas du tout. La preuve que tu connais pas le mode. Jouer le Mordor, c'est pas la facilité. Hein. Surtout en difficile, quand t'affrontes des putains de cavaliers du cygne et tout, c'est pas la facilité. Hein. Tu peux vite rager et faire du rage quit, hein, avec... Hop là. Bon, retournons à mes petites affaires. Ah, regardez mes elfes. Alors, est-ce qu'on serait pas un peu coquille? Hop. Et on mettrait pas une nouvelle watchtower pour avoir plus de vision. Voilà. C'est vrai qu'aller prendre Kala George, là, ça pourrait être intéressant. Hein. Allez, je vais y aller avec ma petite paire de couilles. Ici. Je pourrais éventuellement, avec deux unités, tenir. Ah oh, putain, t'es une blague, j'y vais pas, mais va te... tout le cac, comme ça. Ouh là là, non, ça aime pas trop. Oh d'ailleurs, je vais pouvoir améliorer la ville. Ah mais non. Ok, attendez. J'ai fait de la merde. Je m'en voudrais pas, je vais relancer le tour. Parce que j'ai oublié que Balin avait fait ses tours de mouvement, en fait. Ouais, je suis allé trop vite. C'est les choses qui arrivent. Désolé. Ah, le Mordor, c'est chaud au début. Hein. C'est vraiment chaud. Hein. Alors. On va prendre les archers. Un peu de cac. Si je fais ça. Voilà, là, ça passe. Et on va faire ça, et on va mettre une tour ici. Ouh, regardez la petite armée elfe. Putain, c'est pas mal, pas mal. Et éventuellement, ouais, non, je pense que ça peut tenir. Deux troupes de... Ouais, c'est chaud. On verra bien. On va être joueur. Et on va continuer à envoyer des renforts. Putain, ici... Putain, mais j'aime pas voir les monts brumeux. Les monts brumeux qui sont à mes portes des deux côtés. Il va falloir que je le dégage aussi de là, hein. Je commence à me péter les couilles là l'autre. Hein. Je commence à avoir une belle petite armée là. Large pick farm. Vivement que je puisse faire plus de troupes. Plus de troupes dans ce coin là.
Je manque de généraux aussi, hein. Je manque de généraux. Oh, un espion. Ça m'intéresse, l'espion. Allez, on passe le tour. Il faut sécuriser Khazad-dûm. Hé! Si je sécurise Khazad-dûm, je peux pas faire d'autres conquêtes. C'est ça le problème, c'est que soit tu restes à Khazad-dûm et tu bétonnes, et t'attends comme un débile, ou alors tu prends des risques. Sachant que tu peux défendre Khazad-dûm avec pas beaucoup d'unités, vu que le terrain est fait pour la défense à Khazad-dûm. Les unités du bien sont-elles alliées entre elles? T'as des très très gros bonus pour être allié avec les trucs du bien via des... Ouais, tu vas être très facilement allié avec les factions du bien. Faut être un peu patient des fois. Genre, tu peux pas déclarer la guerre au Condor. Mais en fait, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Il faut comprendre que le Mordor et l'Isengard sont tellement forts que si tu backstab le Gondor, ce que je pense que tu pourrais faire, mais quel est l'intérêt? En fait, dans le jeu, il y a un autre mode de jeu qui n'est pas la guerre de l'anneau, parce que c'est un mode de jeu auquel on joue, la guerre de l'anneau, où il n'y a absolument aucun camp. Donc si tu veux, tu peux jouer et là, tu peux, si tu veux, attaquer le Gondor. Putain, Erebor est assiégé! Oh non, non, attendez, là, je vais aller voir ça. Ça, par contre, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Qu'est-ce qui assiège? Qu'est-ce qui assiège Erebor? Oh putain, regardez Azak Kala! Au secours! Bon bah là, ça va être chaud d'y aller avec juste cette petite armée, hein. Alors. Ouais, il y a toujours une petite armée du Vel qui essaie d'assiéger le merdier ici. Putain, bah c'est une armée de Gundabad qui est en train de pousser sur Erebor. Pas mal. On va aller voir un peu le Mordor. Ouh là là, ouh là là! On a Osgiliath. Oh putain, Osgiliath Est est tombé. Et peut-être que Osgiliath Ouest va tomber aussi. Oh putain, ça sent déjà la merde, hein. Ça sent déjà la merde. Ker'Andros tient encore solidement. Ça, c'est le bon point. Ouais, mais Gundabad est assiégé uniquement par quelques troupes du Vale. Avec les bonus de défense en combat automatique, ils vont jamais gagner. Pas avec aussi peu de troupes. Bon, attendez, on va faire mes petites affaires. Ouh, je peux recruter du laboureur. Je prends tout ce qui me tombe sous la main. Absolument tout. Aucun respect. Mining Network. Miners Union. Ouais, hop là. Annon Harrod. Là, je peux toujours pas faire. Alors, Annon et Harrod, je suis quand même à 40%. Il me faut des bâtiments. Voilà, il me faut les quartiers de mineurs nains pour pouvoir construire des unités. Et Brunost, la brasserie, c'est fait. On va améliorer la ville. Bon, maintenant que je vois ce qu'il y a ici, je vais peut-être pas y aller tout de suite, hein. Il va me falloir quelques troupes en plus, hein. Il va me falloir quelques troupes en plus, parce que c'est pas brillant, brillant. On va commencer à envoyer des renforts. Voilà. Et on va prendre des risques en laissant éventuellement un petit peu Khazad-dûm sans défense. Et on va commencer à faire transiter des troupes vers le nord. Des troupes fraîches, si possible. Là, je vois que les monts brumeux m'attaquent plus. On va juste laisser les brigands. Voilà. Et on va faire passer une petite troupe au nord. Voilà. On va faire du turnover. Et on va produire, produire, produire. Même si c'est de la merde, c'est pas grave. La troupe naine merdique, elle est pas dégueu. Attendez. Le son s'est baissé. Je vais enlever le toggle, hop, le taggle brouillard de guerre. Voilà. Et je pense que je suis bon. Je pense que je suis bon. C'est parti. Regardez les elfes, je leur ai filé un petit coup de main. Regardez là, ils ont des belles armées, ils sont en train de pousser. Les elfes là, je leur ai tiré une énorme épine du fion. Maintenant, je pense que les elfes vont réussir à steamroll. J'espère en tout cas. Je compte sur eux parce que je vais avoir besoin des IA. Hein. Vu comment ça a l'air de pas trop bien se passer dans le sud là. Merde, j'étais pas allé voir comment le Rohan. En tout cas, j'ai pas vu le gouffre de haine tomber. Ce qui est bon signe généralement. Tant que le gouffre de haine tient, ça veut dire que l'Isengard s'empale dessus. Les elfes sont de gros glandeurs. Ouais, putain, ils sont très casse-couilles, ouais, les elfes. Hein.
Il faut vraiment les prendre par la main, quasiment. C'est quelle manip pour activer la commande? Alors, la commande, moi, c'est... en fait, moi, j'ai un clavier, un affreux clavier islandais. C'est un truc à droite de mon clavier. Peut-être que c'est quelqu'un qui me l'a montré dans le chat, hein. Ah bah d'ailleurs, on me demande d'aller voir le Rohan. Attends, j'ai un... Ah oui, 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 j'ai un... Où est-ce qu'il est, mon diplomate? Il était dans le coin, il me semble. Je le vois pas. Ah ouais, il est là, d'accord. Hop. Et on me demande d'aller, je crois... on va tout de suite le mettre, sinon je vais me paumer. Ah ouais, il est pas loin, d'accord. Hop là, c'est parti. Allez, des laboureurs nains de recruter. J'ai vraiment des armées, mais de clodo. C'est épique, hein. T'as regardé l'elfe, là. Est-ce qu'il est pas entre... Est-ce que c'est pas une belle armée elfe qu'on a là? Avec Elrond et tout. Putain, ils ont du Dunedain Warden 3 étoiles. Putain, c'est de la belle viande, ça. Hein. Voilà. Et si lui, il va pas ou s'il échoue, moi, j'irai. On va laisser l'elfe faire un peu le sale boulot pendant que je build up mon armée. Ici, toujours pas de troupes recrutables. C'est pas grave. D'ailleurs, dans 10 tours, je vais débloquer mon nouveau tiers d'unité. Je vais avoir accès au tiers 2 et au tiers 3. Et là, attention, quoi. J'ai une armée de singes, hein. Mais les singes elfes... Les singes nains, pardon, c'est pas de la merde. Ouais, là, le Mordor, j'ai fait une seule fois la campagne du Mordor et je me suis arrêté au bout de 15 tours. Parce qu'en difficile, le Gondor est allé prendre Minas Morgul sous mes yeux. J'étais foudrage. Genre, il m'a tué mon général Mos... Ouais! Un nouveau général. Il m'a tué Mosgoth, mon gros général, et il a pris Minas Morgul sous mes yeux. Les chevaliers du cygne intuables. J'étais tellement salé. J'ai dit plus jamais le Mordor. Alors, un nouveau général, c'est absolument génial d'avoir un nouveau général. Ok, l'elfe a pas l'air décidé à y aller, donc moi je vais y aller. Hein. J'attends encore un tour pour recompléter Balin, et après on y va. Regardez l'armée que j'ai assemblée là dans le merdier. Les mineurs nains, ce qui va normalement me permettre... Non, de pas... Pourquoi je peux faire d'unité encore? Peut-être pas assez de culture, si. Mining Network... Miners Union... Durin's Armory, non, ça fait... J'ai pas besoin de ça. Bah, on va faire de la mineur... Union des mineurs, hein, c'est parti. Ah oui, mais là, j'étais sur la capitale, d'accord. J'étais sur la capitale. Khazad-dûm. Ouh, des laboureurs nains, allez! T'as une troupe seulement avec 8 hommes. Ouais, mais en fait, cette troupe-là, ce sont des troupes d'Erebor. En fait, ça, c'est les troupes avec lesquelles je suis parti... Le souci, c'est que ce sont des troupes, d'un point de vue roster d'unité, que je peux seulement recompléter à Erebor ou de cette culture-là. Je ne peux pas recompléter... En fait, j'aurai un event où j'aurai accès à ces troupes-là, mais c'est pas maintenant. Donc peut-être que je vais la garder en réserve, et quand j'aurai l'event pour pouvoir produire des troupes d'Erebor dans la Moria, là, je pourrais tenter le truc. Et pour l'instant, non. Bon, bah, on est pas mal. On est pas mal. Oh, attends, il y a de la viande, là. Il y a quoi là-dedans? Le problème, c'est que ça, je voudrais pas que ça vienne attaquer ici. Est-ce que je prendrais pas le risque, éventuellement... Putain. Erebor n'est plus défendu que par deux généraux. Putain, Erebor, c'est vide, hein. Erebor, c'est vide. Voilà. Mais bon... Eh, on est là pour jouer, non? Non, j'ai jamais rien vu que la Moria est un terme péjoratif, pas du tout. Tu sais toujours pas où est l'anneau. Je crois que la dernière fois que j'avais vu l'anneau, il était dans le nord, près d'Angmar. Depuis, j'ai pas eu de nouvelles. On verra bien. Regardez-moi les armées elfes qui slack là, putain.
D'ailleurs, il fallait que je dégage mon diplomate de là. Oh, il m'attaque, putain! Alors là, par contre, ça va être plus difficile. J'ai des renforts qui vont arriver derrière. Mais j'ai... Allez, l'elfe, dégage-le, là. Boum! Allez, poum poum! Putain. Baline porteur de l'anneau. Ah, eh, pas facile, mais pourquoi pas. Fangorn atteint, d'accord. Et ça, c'est pour... Voilà, Rocheburg. Je vais essayer... Je vais être coquille et leur demander une alliance tout de suite. Hop! Ça passe! Je suis allié au Rohan. Voilà. D'ailleurs, quand vous êtes le Rohan, vous avez un event très sympa. Si vous arrivez à avoir une alliance avec Khazad-Dûm et Erebor, c'est un event que j'ai jamais eu. Vous pouvez, je crois, avoir un roster d'unités naines. Vous pouvez construire. Vous avez accès à des unités naines, je crois. Oh, mais regardez-moi. Alors, qu'est-ce que j'ai de là-dedans? J'ai quand même de la bonne troupe. J'aurai une unité en plus de réserve via la garnison. Il y a des archers. Et en plus de ça, j'ai deux unités en réserve. Donc, on va faire. Hop, non. Voilà. Là, normalement, j'aurai mes renforts qui arriveraient quand il va attaquer au tour prochain. Oh, ouais, si, c'est bon. J'ai eu le temps de finir mon. Ok. Bon, par contre, maintenant qu'on est bon ici, on prend l'armée au grand complet. On va laisser quelques troupes derrière. Deux archers. Non, on va prendre les archers, justement. On va prendre les archers parce que je connais l'IA. Je connais que trop bien l'IA. Et je sais ce qu'elle va me faire. Hop. Voilà, on va laisser cette petite troupe. Et direction. On va marcher. Voilà. C'est parti. Tu as une unité cadeau, je crois. Non, c'était pas une unité cadeau. J'ai eu 750 ducats. Voilà, j'ai une petite unité de réserve. Je joue à flux tendu, hein. Au niveau unité, là, je joue vraiment à flux ultra tendu. Mais bon, il n'y a pas le choix. C'est comme ça qu'il faut jouer avec les nains. Il faut prendre des risques. Comptez sur vos généraux pour défendre. Ah, Gundabad, ça rigole pas. Ça rigole jamais, Gundabad, hein. Je préfère affronter les monts brumeux Gundabad. Gundabad a des bien meilleurs... Ah ouais, j'ai eu un laboureur nain, d'accord. Je croyais que j'avais construit, mais en fait, non. Bon, bah, j'ai eu un laboureur nain. Toujours pour apprendre. Ah mais il faut que je vire mon diplomate de là, putain. Chaque fois j'oublie. D'ailleurs, tour 52, je me rappelle plus quand l'event avec Gandalf arrive. Parce qu'en fait, on va me donner un ultimatum. Oh putain, alors. D'accord, c'est la bataille. Oh, il y a même des renforts qui sont arrivés, d'accord. Bon bah c'est parti, hein. C'est parti. Donc je pense que c'est le siège. Bon, faut pas que je perde cette bataille, surtout pas. C'est pas acceptable de perdre une ville face à des monts brumeux en général. Pourquoi tu ne demandes pas la vision avec les cartes? Parce qu'en fait je m'en branle vu que j'ai le... Maintenant que je sais tricher. Voilà quoi. Bon! On va faire ça simple et efficace. Et ça, regardez. Rappelez-vous que j'ai construit une garnison. La garnison m'a donné de l'infanterie lourde, ce qui est pas dégueulasse. Et en plus, je peux faire des murs de bouclier. Donc ça, c'est une unité qui sera automatiquement recomplétée, qui est gratuite en garnison dans la ville. Et dès que je suis attaqué, cette unité sort. C'est 103 nains. C'est une très bonne unité, 15 de défense, 7 d'attaque. Donc pensez quand vous êtes nain à toujours faire des unités de garnison. À faire une garnison, parce que ça vous donne une unité gratuite. Certes, le bâtiment coûte a un coût en entretien, mais... C'est super pratique. Donc là, j'ai mes chasseurs de dragons. Voilà. Et mes chasseurs de dragons. Oh là là, mais hop! Le luxe! Et là, j'aurai même mes laboureurs en seconde ligne en réserve. Allez, c'est parti. Et j'ai même mes renforts nains qui arrivent. Oh, attends, ah non, j'ai cru que je m'étais gouré, le con. Là, j'ai mes renforts qui arrivent de là-bas. Deux unités. Puisque tu es en 2000. Et Balin meurt en 2294. Ok, donc c'est bientôt. C'est bientôt. Sans aucun doute. Bon, vitesse x6, c'est parti. Un bélier. De l'infanterie légère. Du skirmishers. En réserve, ils ont de la light. Light. Ok, ils ont aucune chance. On va faire du kill. On va même se replier un peu. The enemy are battering down the gate.
Bon, il me tire dessus, forcément. Allez, les gars! Voilà. Là, on va aller attaquer. On ira attaquer l'unité qui est là-bas. Voilà. Et là, on attaque sur le flanc. Allez, hop. Regardez, c'est mes brigands! C'est mes mercenaires! C'est mes... mes tranches-gorges que j'ai recrutés pour défendre Erebor! Ils sont toujours là! Fidèles au poste! Et ils ont même pris un galon d'argent! Il va forcément mourir. Non. Le jeu vous laisse l'option... Enfin, c'est à vous de faire en sorte qu'il ne meure pas. Si vous connaissez pas le lore, vous allez le perdre la première fois, sûrement. Mais quand vous connaissez le lore, vous savez ce qui va arriver. Et vous savez que Balin, dans le lore, dans l'historicité du lore, va tomber dans une embuscade. Parce qu'il est seul. Donc, qu'est-ce que vous faites quand on vous dit d'aller là, dans le jeu? Vous donnez à Balin une petite escorte. Comme ça, ça évite qu'il se fasse buter comme une merde. Bon. On va mettre le son, même si là, le son, c'est poum poum. J'ai mes renforts qui arrivent. Ouh là là, alors ça, c'était les... Ouais, Light, d'accord, c'était ses renforts à lui. On va envoyer mes laboureurs. Voilà. Regardez, ça fuit déjà! Ça fuit déjà, mais ils ont pas de généraux, ils sont nuls à chier! C'est des mange-merde! Putain de gobelins! Me faire perdre mon temps, là! Allez, vitesse x6! Allez, éclatez-moi tout ça, là! Allez, on fait des prisonniers, là! C'est excellent! On va essayer de faire de l'argent! Il s'est pris une flèche en train de... En fait, c'était pour son couronnement. Les rois de Khazad-dûm devaient suivre la même procédure que dans la légende d'Urin, le premier nain avait fondé le royaume de Khazad-dûm. Quand il avait vu dans un lac, bah, les sept étoiles des sept nains. Les sept nains. Je viens de comprendre le jeu de mots. Et il avait fondé à cet endroit-là où il y a le lac, bah, le royaume de Khazad-dûm. Donc tous les rois nains, avant de se faire introniser, devaient aller sur ce lac et faire un peu comme d'Urin. Donc quand Balin a voulu devenir roi... Bah, il a fait la même chose. Et bah, il est allé seul comme un con au lac et bah, il s'est fait dessouder par une embuscade. Bien dommage, sympa. C'est bien dommage. Ah, j'ai eu le général ennemi. 230 prisonniers, c'est pas mal. On va essayer encore d'en capturer une petite centaine, ça serait bien. Pour faire de la rançon. Oh bah je crois que les gobelins ils s'en foutent un peu des lieux saints des nains. Bon j'ai pris 16% de pertes. C'est beaucoup mais c'est beaucoup d'unités légères. C'est mes nains de la garnison qui vont être complétés. Et ça me permet de faire de l'XP hein. Toujours plus d'XP, c'est bon à prendre. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si Balin aurait survécu? Aucune idée. Peut-être ouais, peut-être pas. Continue la bataille, je peux peut-être faire quelques prisonniers. Allez. Prisonniers, non? Non, malheureusement, pas de cave. Pas de poursuite, allez hop, c'est bon. Du 1 pour 5, je prends. Vu que j'avais beaucoup d'infanterie légère. Eh ben, mes mercenaires, ils auront fait le boulot, hein. Mes petits mercos, là, je me rappelle plus qui a vu la bonne idée de me dire de recruter des mercos pour défendre la Moria. Bah eux, je vais bientôt leur filer du mitril, hein. Oh, regardez, 780 ducats, on va rançonner. Et ça paye la rançon! Ça va me payer des bâtiments, tout ça!
Pépé a mangé le respect, c'est les mindes. Je vais construire un mur et c'est les gobelins qui vont payer pour ce mur. Voilà. Alors oui, le... Alors, c'est... C'est Dol Guldur qui a envoyé une grosse armée de gobelins, entre autres, pour dégager les nains. Putain, l'anneau! L'anneau est juste au-dessus! L'anneau est à Goblin Town! Merde! L'anneau est à Goblin Town! Putain! Ok, je vais aller prendre la ville là. Je vais avoir un créneau pour y aller. Il va rester un pas mal de temps. Combien de temps? Quelqu'un sait combien de temps l'anneau reste? Entre 15 et 20 tours, je crois. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. J'ai 8 tours. Il y a quoi dedans? Ok, il a déjà pris des pertes. Il n'y a aucun général. C'est bon. Il n'y a pas de général. Hop, un bélier. Parce que je sais qu'il y a juste besoin d'un bélier. Voilà. Alors, Brunost, Town Guard, pour recruter de la troupe. Voilà, ici, on recomplète. Voilà, on va préparer une armée. Hein. On va préparer une armée pour faire une grosse descente sur Goblin Town. On va assembler les généraux et on va aller chercher l'anneau. On va aller chercher l'anneau. Je ne sais pas comment, mais on va y aller. Putain, mais non, mais va! Débile! Voilà. Est-ce que j'aurais pas éventuellement des mercenaires? Non, j'ai pas de mercos, malheureusement. Hop. Putain, si j'arrive à choper l'anneau... À choper l'anneau, ça serait ouf. J'ai jamais chopé l'anneau. L'anneau, je l'ai eu une seule fois. Deux fois, je crois. Dans toutes mes runs. Il reste 20 tours dans la ville. Ok. Il est apparu tour 52. Non, le son, le son. Le son. Attendez, il faut que je gueule pour pas que le bot me nique. Hop. Ah, putain. Se rendre au Mordor. Oui. Va falloir aller détruire l'anneau au Mordor. Putain, c'est la première fois que je vois l'anneau qui pop aussi près. Il y a un coup à jouer. Donc là, je vais faire ma bataille le plus rapidement possible. Oh, l'armée des monts brumeux, là. D'où ça sort, ça? Ah, là, c'est une grosse armée des monts brumeux. Hein. Faut pas qu'ils viennent à Brunost, hein. J'ai rien à Brunost, hein. Oh, heureusement, les elfes ont pris le choc pour moi. Axeman, oui, on va améliorer les armes. Alors, attendez, il me semble qu'ici... Voilà, ça a déjà été fait. On va continuer à descendre. Hein. Voilà. Alors, Khazad Doom West. Allez, des nouvelles troupes. Des nouvelles troupes à Khazad Doom. Daos. Dans Hall. Mining Network. Practice Range. Ouais. Pour faire des archers. Anon and Arrowed. On va. Druin's Armory. Non. Practice Range. Il me faut des troupes. Hein. Voilà. Bon. On va faire la bataille ici. J'ai beaucoup d'archers, mais j'ai pas beaucoup de troupes de cac. Par contre, j'ai deux infanteries lourdes. Ça va être une bataille où je vais devoir utiliser mes archers au... Oh la vache, ils sont 3500! Ils sont 3500! Il y a un sous-mode pour avoir des musiques libres de droit. Tu me l'enverras, ce qu'on fout en privé. Ça m'intéresse. Bon, on va aller prendre cette ville, qui sera une très très bonne base pour faire du pognon. J'ai beaucoup d'archers, je vais devoir faire vraiment utiliser bien mes archers là.
Faut pas que je prenne trop de pertes. Hein. Voilà, donc là, ce genre de map, l'IA est assez buggée, puisque l'IA va se replier systématiquement sur sa place de victoire. Donc je vais pouvoir tranquillement amener mes archers, les saucer. Je vais essayer de faire des murs de boucliers, je vais utiliser mes deux généraux au maximum de leur forme. Je peux aussi faire un mur de bouclier et j'ai un volontaire de Khazad. Et en plus de ça, j'ai mes Khazad Doom Reclaimer. Allez, on se dépêche. Enfin, quand vous connaissez le jeu, vous savez quelle carte est buggée, quelle carte est pas buggée. Là, qu'est-ce que vous pouvez faire sur quelle carte et pas faire. C'est une habitude. Hein. À la fin, comme je dis, vous connaissez toutes les cartes quasiment. Par cœur. Voilà. Vitesse x6, c'est parti. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Allez, on se dépêche. Attends, pourquoi c'est aussi lent là? Putain, Balin et son pote là, ils traînent. Hein. On va pas mettre, on va désactiver le feu automatique pour pas que ses comptes tirent sans que le rescore soit là. Putain, les nains, qu'est-ce qu'ils sont lents. Mmh. On va se mettre là. Voilà, on va attendre que toute la, le reste de l'armée arrive. Que je reste pas, que j'arrive pas comme un con avec l'ennemi qui me charge. Oh putain! Forcément l'IA qui décide de pas faire. Attends, c'est juste des archers. Est-ce qu'il me tire dessus? Ouais, il me tire dessus, ok. Voilà, là on va y aller en courant maintenant. Allez, hop. Allez, va attaquer ces archers. Bon, on va même pas les attaquer, ça sert à rien. Hop, 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 hop. Comme ça. Voilà. On se dépêche. Chop, chop. Oula, je prends des pertes là. Ça fait chier, mais c'est pas grave. Putain, je déteste affronter les gobelins. Leurs flèches font tellement mal. Voilà. On se met en position. Parfait. On va faire péter les murs de bouclier. Les archers. Nains. Et il me continue de me tirer dessus, ce fils de chien là. Putain! Alors attends, on va envoyer une troupe pour les cogner. Voilà. Allez. Oui, j'ai vu le trailer de la série Amazon. Bon. Je vois pas trop le pourquoi tout le monde en fait toute une histoire. Moi, je suis plus intéressé par les hobbits noirs et les hobbits noirs, la sœur d'Isildur. Et voilà. Rien à foutre de leur, du titre de leur série. Bon, allez, on commence à faire des victimes. Voilà. Allez. Et là-bas, je suis au contact. Des archers, parfait. Par contre, tiens, toi, va là. Attends, je vais mettre du son. J'ai horreur de jouer sans le son des batailles, quand même. Hein. Voilà. Là, je gaspille des flèches sur des cibles pas intéressantes. Ah. Ce que je voudrais taper, c'est... Voilà, allez. Ah,
Oh non, pitié! Le love interest. J'ai pas envie de parler de la sœur d'Isildur. Oh putain, les Snaga Skirmishers qui me trollent. Bon, pendant ce temps-là, de l'autre côté, est-ce que je suis en train de faire bobo? Oui! Là, mon infanterie, qui a des bonus d'attaque et de défense et du graton, est en train d'éclater les archers gobelins. Là, on commence à être en place et on commence à saucer. Bon, c'est pas la meilleure prise de fight que j'ai faite, hein. De loin. Ouh là là, ouh là là. Non, 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 non. Putain, les... Un Snaga qui m'a bien trollé, hein. Putain, allez, mettez-vous bien, bande de FDP. Je sais même pas si je vais regarder la nouvelle série de Game of Thrones, ça me dit absolument rien. Toutes ces séries, elles se ressemblent, je trouve. En termes d'écriture, ils cochent des cases, c'est la même chose, c'est fade. Ils osent pas prendre de risques parce que bah, ils ont peur du backlash. Non, ça me dit vraiment rien en fait. Ouh, attends, les défenseurs lourds orcs 200, ça, c'est de la cible de choix pour mes archers. Pareil là-bas. Bon, les pertes, j'ai pris 6%, 17%, je suis en train d'empiler du corps. J'ai pris une prise de fight absolument dégueulasse. Mais on fait de la casse. Est-ce que Isildur a une sœur? A une sœur? Non. Non, Isildur n'a pas de sœur. Il a un frère, Anarion, qui a... D'ailleurs, Anarion et Isildur a créé le royaume du Gondor et Anarion a créé le royaume d'Arnor. On s'en fout, il n'y a pas de frangine dans l'histoire. Ah, j'ai eu le général ennemi, parfait. Non, je crois pas que c'était un général, ça devait être un petit capitaine. Voilà, c'était un petit capitaine à la con. Allez, là on empile les corps, c'est parti. Hein. 25%. Les archers gobelins, là, ils sont en train de se casser la gueule. Ils sont plus que 51. Ah, ça fuit, regardez! Ça fuit! Ça fuit déjà! Un régal! Bon, il y en a encore beaucoup, hein. On est à 30%. De l'autre côté, est-ce que je m'en suis débarrassé? Presque. Attaque là! Qu'est-ce que tu fais, gamin? Putain, le gars qui fait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, tu peux plus rien faire. T'es obligé de cocher des cases. Voilà. Sinon, tu te fais détruire. Même si ton contenu est bon, t'es obligé de faire des trucs inclusifs et tout. Sinon, si tu remplis pas les cases, t'es puni. Même si ton contenu est excellent. En fait, ton contenu ne sera pas excellent parce que t'as pas rempli les cases. Point barre. Donc forcément, les mecs sont pas cons. Ils veulent pas de backlash. Ils veulent vendre leur jeu. Bah, on préfère en faire trop que pas assez. Oh, arrêtez les gars, quel monde de merde. Il y a pire, hein. On n'est pas malheureux, hein. En Occident, hein. Bah, Elendil, il a pas eu le temps de faire grand-chose vu qu'il a été tué. Elendil, il a été tué à la bataille. Bon, il est arrivé, il est mort, quoi, hein, Elendil, hein. Bon, on en est où? 14% de perte, j'ai presque fait 50% de perte, là mes archers se régalent.
D'ailleurs, j'ai déjà cramé toutes mes flèches ici. Parles-tu du dernier DLC de Paradox sur le 4? Ben, entre autres, hein. Bon, après, Paradox, ils ont tellement déjà saigné tellement de régions qu'eux peuvent se permettre. Il y avait besoin d'une bonne refonte en Afrique, de toute façon. Ah, ici, je crois que je les ai nettoyés. Ouais, j'ai nettoyé les archers, on va pouvoir amener, on va faire tout le tour, hein. Voilà, comme ça. La roue du temps, putain! Alors moi, je connaissais même pas le nom. La roue du temps, c'est incroyable. Genre, tellement, ils en ont mis. Genre, la nana qui est lesbienne avec sa patronne qui est black. Genre là, mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites, quoi? C'est incroyable tellement. C'est... Pourtant, il y a du potentiel au niveau histoire. Mais c'est tellement forcé et cringe que j'étais là, mais putain, waouh, ils détruisent du contenu juste pour de la politique. Voilà. Ils font que ça. Y a rien d'autre dans le machin. Ouh là là, ici, je prends cher. Bon, allez, c'est pas grave, on va au cac, tant pis. C'est beau! C'est beau! De réussir à merder à ce point-là. Oh putain, là, il y a de l'infanterie lourde. Ok, là, je vais pas trop y aller. On va d'abord nettoyer toute la petite merde. Ah, je me suis perdu dans ma propre mine! Allez, on pousse. Débarrassez-moi de tout ça. Oulala, oulala, non. Il y a beaucoup de gobelins. Et en plus de ça, je déteste me battre dans les mines parce que il fait spawn des unités de gardes lourds, des Orc Defenders. Là, il y en a une, deux. Il fait spawn presque 600. Il fait spawn 600 unités. 600 fucking unités de défense en garnison. C'est très chiant. Vous arrivez, ah bah c'est bon, je vais les battre. Et d'un coup, vous voyez 600 mecs en infanterie lourde qui sont là. Bon, après, ça s'appelle de l'infanterie lourde, mais qualitativement, c'est de la merde. Ça aime pas les flèches. Bah, c'est ce que je disais l'autre fois sur Discord. Y'a qu'à voir le nombre de films qui font des bides. Des films woke as fuck. Regardez le dernier Ghostbuster. Charlie's Angel. Genre, c'est tellement merdique. Et en plus, ils blâment la réalisatrice de Charlie's Angel. Elle se blâme même pas. Elle dit que c'est la faute des mâles toxiques blancs qui sont pas allés voir ses films et qui ont boycotté ses films. Mais bon, tu peux pas chier sur des gens et après les blâmer de pas venir voir tes films, quoi. Faut aussi être pragmatique. T'assumes tes choix et tes opinions. Oulala, il vient me chercher ici? Ah bah ouais, il va venir me chercher. 1 milliard le coût de la série, ouais, mais ça veut rien dire, hein, le coût de la série. Hein, faut voir si cet argent a été correctement investi, hein, parce que bon, si c'est pour nous faire la sœur d'Isildur, bon, voilà quoi. Putain, les Orc Defenders, il y en a tellement. Voilà, là, mes généraux nains font le café. Hein. Oh merde, j'ai oublié ici, vite, le bonus de charge. Allez! Par contre, là, je vais peut-être faire... Là, je vais peut-être avoir mal, parce que c'est des... C'est de l'infanterie lourde face à mon infanterie légère. Et bon, c'est l'infanterie lourde de garnison. Voilà, elle tombe bien. Faut vite que j'aille... J'espère que je pourrais bien les renforcer assez vite. Bon, cette bataille, elle est chiante, mais il y avait plus de 3500 hommes dans... 3500 hommes dans le merdier. L'amant secret d'Isildur. Ah putain, non. Oh mais non, ils ont pas le droit de faire ça. Ils ont pas le droit de faire ça. Genre, ils ont pas le droit de faire ça. Déjà, s'ils mettent du cul, il y a de la nudité dans les œuvres de Tolkien. Mais c'est pas de la nudité du cul pour du cul, comme dans Game of Thrones. Game of Thrones, c'est du cul pour du cul. On monte du boobs pour faire plaisir aux gens. On monte du boobs. La nudité dans Le Seigneur des Anneaux, dans les livres, c'est pas du boobs.
Et là, j'ai très peur qu'ils nous mettent, bah, comme je dis, hein, ils vont nous faire une Game of Thronisation. C'est ce que j'ai peur. Du Seigneur des Anneaux. Ce qui, je pense, va être une catastrophe, mais voilà. Peut-être que je suis juste un boomer, un réac et un corbeau de mauvaise augure. Ici, on a nettoyé ça. On continue d'avancer. Oh là là, ok, c'est bon. On est en train de faire le ménage, doucement mais sûrement. De l'autre côté, oh là là. Okay. Alors, putain, je les ai mangés. Les défendeurs orcs là, je les ai mangés avec mon infanterie légère. Gimli en string, oh non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Je sais plus, ouais. Comme dit, j'ai très peur du résultat final. J'ai très très peur du résultat final. Mais en fait, j'ai peur qu'ils donnent un trop gros rôle à la sœur d'Isildur et qu'ils en fassent la nana, elle va résister au pouvoir de l'anneau. Ils vont peut-être en faire une Marisou, un peu comme Rey dans Star Wars. Un personnage inutile avec des super pouvoirs, là où son frère ne peut pas résister à... C'est quoi l'histoire avec la sœur d'Isildur? Bah, Isildur aura une sœur dans la série. En tout cas, on est quasiment sûr à 90% qu'il aura une sœur dans la série. Et c'est une catastrophe parce que il force un personnage féminin pour... bah, regardez, nous avons des personnages féminins forts dans notre série, quoi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, magnifique, ici c'est passé. Allez, on attaque. J'ai quand même pris 40% de perte, hein. J'ai fait le bourrin pour prendre plus vite le truc, mais j'ai quand même pris 40% de perte, hein. C'est beaucoup, hein. Mais il y avait quand même plus de 3000 mecs dans la mine, hein. Ouh là là. Alors là, attention, j'ai mon général qui est... On se dépêche! Ok, ça fuit. Au final, ça va faire... Comme The Witcher. Vous avez les puristes qui hurlent. Et puis vous aurez bah, les fans qui seront... et vous aurez là tout le gang qui ont jamais rien regardé au Seigneur des Anneaux, qui ont jamais même peut-être regardé les films, qui seront là. Oh là là, c'est incroyable! C'est vraiment génial! Ça sera ça, hein. Non mais... Sauron en femme ne me dérangerait pas du tout, au contraire. Ça serait chouette de mettre Sauron en femme, parce qu'il y aurait pas de raison qu'il soit pas une femme, Sauron. Surtout une belle femme, bien manipulatrice, toxique et dangereuse. La parfaite ex, Sauron. Non, Sauron en femme serait pas quelque chose de dérangeant. Allez, on y est presque. J'aurais pris de la casse, hein. 44% de perte, hein. Alors, le bouton central, c'est pour faire, regarde, clignoter les unités, pour savoir où sont les ennemis, vu que je joue sans les bannières. Bon bah c'est bon normalement. Allez, on passe en vitesse x6. J'ai fait 400 prisonniers quand même, hein. Allez, débarrassez-moi de ça. Allez, on est bon. Mais c'est ça, les Valar n'ont pas de sexe ou de genre prédéfini. C'est pour ça que avoir Sauron en homme ou en femme. Putain, j'avoue que Scarlett Johansson en Sauron, ça serait pas dégueulasse du tout. Hein. Surtout en Anatar. Scarlett Johansson en Anatar, mais quel rêve. Oh, putain. Ça me dérangerait pas, par exemple. Comme je dis, hein, faire des changements de script pour des... Pourquoi pas, mais il faut que ce soit bien fait, quoi. Je vais aller voir fanfics Sauron Melkor en femme. bon, bah, c'est parti. J'ai pris Zak Kala. C'est parfait. Par contre, il y a cette énorme armée qui me fait un peu peur.
On va... Putain, ouais, mais... Regardez la culture. 99% de... Il faut très très vite que cette merde-là, je m'en débarrasse. On va commencer à faire transiter les armées. Balin. Ah non, ok, d'accord. D'accord. On va attendre un tour. On va attendre un tour. Et là, il y a l'air d'avoir des armures sympas. Ici, oulala, oulala, oulala. Ça, par contre, ça me fait chier. Il y a quoi là-dedans? 3 unités, c'est bon. S'il veut m'attaquer, qu'il vienne. Ouh, nouvelle unité. Tu peux débattre. Voilà, les bâtiments gobelins, j'avais oublié. Alors, c'est ceux qui servent à rien. Brawler Spit. Celui-là, on le garde. Celui-là, on le garde. Ça, on garde. Blacksmith, on garde. D'ailleurs, c'est pour ça que je peux faire les améliorations. Garrison de Quarter, je garde. Et Slave Pit, ok, c'est bon, je peux tout garder quasiment. Parfait. Je garde l'heure. Ça fait... Je ne sais pas depuis combien de temps je joue. Ok. Quoi, déjà? Mais je viens de commencer. Ah bah non, j'ai commencé plus tard. Ça fait 2 heures que je joue. Il me semble, en tout cas. 20 heures. Ouais, ça fait 2 heures. Allez, encore une petite demi-heure. Une petite demi-heure, une petite demi-heure, une petite demi-heure. Imaginez s'il faisait un reboot. Merde, le son! Oh, le son, non! Oh, c'est une catastrophe! Oh, le son! Oh, je suis niqué! Le son de pépé, trop tard. Trop tard. Ouais, ça, ah oui, Nathalie Dormer serait incroyable en son. Elle était magnifique dans... Elementary. Elle était en... En Moriarty. Elle était en méchante en Moriarty. Elle était incroyable en Moriarty. Ok, la grosse armée s'est tirée. C'est quoi le problème du son? Ah putain, Chouan qui arrive à la bourre, je dois tout réexpliquer. La musique que j'utilise est libre de droit, Chouan. Mais quand je passe le tour, il y a la musique originale du jeu qui est là, du son, du film qui est là, et je me fais copyright claim à cause de la musique originale au passage de tour. On va améliorer les haches. Hein. Alors, nouvelle mission, Isengard. Je vais aller voir ça. Coucou Isengard, tu veux faire un peu de commerce avec moi? Allez, un peu de commerce. 700 ducats. Attends, Edora, c'est assiégé, c'est une blague? Oh là là, oh là là. Ouh! Le couronnement de notre roi! Il y a déjà 3 ans que notre paix relative... Que nous avons débuté notre paix relative dans les murs de Khazad-dûm. Notre nouveau royaume est en train de grossir de la même façon... Et la menace gobeline s'évanouit. Alors que... Durin's Bane, c'est le nom du Balrog. Alors que pendant ce temps, Durin's Bane, le Balrog n'a toujours pas été trouvé, notre peuple, Roland of the Kingdom, has no king. Et oui, nous n'avons toujours pas de roi. Balin va devoir se faire couronner de la même façon que son grand-père, que notre grand-père, donc Durin, hein, le premier de la lignée. L'année prochaine, il insiste donc à aller sur Miromer et la pierre de Durin, donc qui est le lac, le fameux lac dont on parlait. Mais nos scouts, ont vu des gobelins sur la façade est de la Moria. J'ai pour mission d'envoyer Balin à Miromer par ce 1294. C'est une blague, 3 tours? 3 tours? Mais Balin, il est à l'autre bout du merdier! Est-ce que je peux aller en 3 tours? Je suis même pas sûr que je puisse aller en 3 tours. Oh, je peux pas y aller en 3 tours. Oh merde! Wow, c'est ballot, hein. C'est ballot, hein. Bon, bah pas de couronnement. Balin, Balin, tant pis, hein. Si jamais il y a une commande. Ok, mais faudra m'expliquer parce que je sais pas comment on fait. Bon bah, je vais envoyer Balin. Oh mais il y a un siège là en plus, merde. J'ai quoi pour défendre, ça va passer crème. Bon, on va prendre Balin. On va prendre des archers, un peu de troupes. Voilà. Hop. Bon, tant pis, j'aurais peut-être une rébellion ici, mais je les emmerde.
Ok, on va laisser une troupe d'archers. Deux troupes d'archers. Ok. 50%, on va te faire enculer. Alors, non, impossible de le faire en 3 tours. S'il est seul, il va se faire tuer. Oui, donc faut pas qu'il soit seul. Le problème, c'est que là, mon souci, c'est que bah il était un petit peu loin, peut-être. Alors là, il veut... Non, il faut pas m'attaquer, toi, espèce de FDP. Bon, ici, je suis assiégé, putain. Moria de mes couilles, va. Tu n'as pas de marche forchée. Chaud sur sto... Chose, ça interdira les coordonnées du curseur. Putain. Et ouais, les coordonnées du curseur. Ah, ça me fait une belle jambe. Et j'en fais quoi, des coordonnées du curseur? Je les mange? Hop là. Bon, là, visiblement, il y a des armures. On va continuer à améliorer la viande. Une fois que tu as créé la note, tu peux move baline dessus. Ah, d'accord! Comment je fais? Bon, pour le beau jeu, on va dire que Baline arrivera plus vite que prévu. On va le faire dans deux tours, d'accord? On va être... On va attendre encore un tour. Oh là là, j'ai des rébellions à Zakala, forcément. Putain, mais genre, ça tombe maintenant, ça, quoi. Ah merde, tu pourras pas move l'armée entière. Bah, c'est pas grave, je prendrai les troupes qu'il y a à Kazakhdoum. D'accord, donc je vais faire ça au tour d'après, comme ça, j'aurai encore un tour pour le déplacement. On va faire ça comme ça. Salut, Coflavius. Bonne soirée. Ils auraient pu quand même mettre 4 ou 5 tours, enfin 3 tours quoi, putain. Les mecs, oh bah Baline il fait la guerre. Bah on va essayer. On va essayer, comme ça je vais apprendre parce que j'ai jamais. Je savais même pas qu'on pouvait utiliser la commande en fait. Alors, show cursor stat. Hop. Cursor, stat, comme ça, d'accord. Et après, qu'est-ce que je fais? Move, caractère, baline. Ah putain! Faut que je tape tout ça après. Donc X correspond à 249 et Y 338, c'est ça? Ok. Move. Caractère. Ah non, move, caractère, baline. D'accord. Est-ce qu'il y a un espace? Baline, normalement, c'est ça. Il y a un espace? Hop. Virgule. Oublie pas le merde. Il est où le trait d'union? Ah oui, move, caractère. Putain, j'ai jamais fait ça. Attends, pourquoi il veut pas là? Oh! Voilà. Move caractère baline. Ah voilà, move caractère. Ah putain, mais il y en a deux en fait! Ah mais non! En même temps, certains. Vous me mettez les. Faut être plus clair. Voilà. Move. Voilà, caractère, d'accord. Voilà, move caractère. Baline. 249-338. Voilà, move caractère, baline, 249-338. Est-ce qu'on est bon? Move caractère, baline, 249-338. Je crois que c'est ça. Hop! Il s'est rien passé. Et après? Regarde. Bah il est pas là.
Attends. Ah mais si, il est là! Oh merde, il est là! Putain, magnifique! Bah je connaissais pas. Merci, merci de m'avoir appris ça. Ça peut être pratique dans ce genre. Bon, par contre, là, j'ai un problème. C'est que j'ai cette merde, là. On va faire ça, et je vais envoyer des renforts à Balin. Hop! Voilà! Bon, c'est... On triche! On triche! Mais on va faire avec. Merci pour le tuyau. Merci pour le tuyau. On est quand même là pour jouer, quoi. Alors, pendant ce temps... Bah, en fait, là, je veux faire la guerre, moi. Hein. Donc, je vais continuer d'essayer de recruter de la troupe. Peut-être mettre des armures à mes mecs. Est-ce que je peux lever de la troupe? Oui, un nouveau général! Ça, je prends la Zenith Guard. Comme ça, il sera prêt potentiellement pour... Encore de la troupe ici. Putain, là-haut, c'est à feu et à sang. Construction. Je vais faire la garnison pour avoir le bonus avec la loi. Plus 10% de bonus de loi. Voilà. Recruter des ennemis de garde. Eh ouais, c'est l'avantage d'avoir... Les nains ont beaucoup d'argent, Kat. Les nains, si tu gères pas trop mal, les nains ont beaucoup de thunes. Allez, c'est parti. Bon, Balin s'est téléporté comme Sangoku. Les super pouvoirs. Et j'arrive à temps pour mon couronnement. C'est les aigles de la console. Bon, ça, on le fera pas souvent, hein, je vous préviens. Je suis pas trop un fan de la console. Mais là, bah, j'étais niqué sinon. Hein. Si j'avais pu le faire en 3 tours, je l'aurais fait en 3 tours. Mais vraiment, je pouvais pas. Bon, les Zenith Guard, faut 3 tours pour les faire. Hein. Vous vous rappelez, je crois que c'est en tour 52 que j'avais eu, qu'on avait vu l'anneau. Donc techniquement, on aurait jusqu'à tour 72 avant que l'anneau ne soit plus à 72. Jusqu'à ce que l'anneau ne soit plus... Ah, regardez! Balin! Balin se fait embusquer par Event! Par une armée de gobelins! Par le capitaine Shaktak! On va mettre un peu de son. Allez, c'est parti. Celle-là, on va essayer de pas la perdre. Donc là, si vous y allez seul, vous pouvez perdre Balin. Si vous connaissez pas le jeu, vous vous dites, bah c'est bon, c'est le couronnement. Il vous fait popper une armée par magie, parce que vous voyez, oh, il n'y a pas d'armée, c'est bon. Et donc, quand vous aurez cet event, envoyez une troupe avec Balin. Sinon, et une bonne troupe, parce qu'il me semble que les armées en face sont pas dégueulasses. Hop là. On va voir ce qu'il y a, je me rappelle plus trop. Hop. Non, ça, c'est les nains. Balin en réserve. Voilà. Oh, regardez les murs de là. Magnifique. Voilà. Alors non, la pieuvre est... Alors là, on est à Kazakhdoum Est. La pieuvre, elle est à Kazakhdoum Ouest. Alors. C'est tout? Ah non, par contre, ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Archer, gobelin. Mais je vais vous bolosser. Je vais vous bolosser. Allez, c'est parti. C'est parti. On va mettre en formation séparée. Voilà. Et on va attaquer comme un débile. Parce qu'en face, il n'y a que de la merde. Je pensais qu'il y avait de la meilleure troupe que ça. Voilà. Allez, on y va. Oui, absolument. Oin, le nain qui est d'ailleurs dans la compagnie de Thorin Oakenshield, se fait tuer par la pieuvre alors qu'il essaie de se barrer de la, de la Moria, par la Moria Ouest. Oui, elle est particulièrement bonne, la frangine d'Isildur. Hein. L'actrice, elle est canon. Hein. Au moins sur ça, bon, voilà quoi. Ils auront fait le boulot, mais bon, je m'en fous moi de ça, merde. J'ai atteint mon sub-goal, il me semblerait que oui, je vais contacter Zeppelin pour qu'on se prépare notre petit... On essaiera de faire plusieurs sessions hein, sur Farming Simulator. Je dois être à 250, je crois. Donc peut-être que demain, je serai descendu à 249, on verra.
Les subs, ça monte, ça descend. On verra bien. Ça sent la Marissou, hein. Ça sent la Marissou, hein. On va être honnête, hein. Ça sent la Marissou. Hein. Allez, on leur roule dessus, là. C'est du gobelin. Défoncez-les. La prochaine... Alors, il va falloir que je trouve un scénario déjà viable pour défendre Taïwan sur Command Modern Naval Air Operation. Il va falloir que je trouve un scénario jouable et viable. Pour l'instant, j'ai regardé, il n'y avait que des trucs dans, plus dans centré Pacifique que défendre Taïwan. Attends, mais j'avais pas vu, il y a des archers lourds gobelins là. Hop, 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 ça par contre, ça me fait chier. Eux font bobo. Imaginez, je perds Baline sur la bataille, je serais foudrage. Oh, j'ai eu le général, c'est bon. C'est cadeau, allez, au revoir. Au revoir. Rentrez chez vous, monsieur, c'est terminé. J'aurai un roi. Et je vais même vous rançonner. Et vous allez payer pour les frais du couronnement de Baline. Voilà, 100 prisonniers. 102, allez, c'est bon. Je crois que j'ai fini la bataille, hein. Ouais, ouais, j'ai fini la bataille. Alors, il me semble que j'ai un event après. Il y a des nains noirs dans le lore. Non, je crois pas en tout cas, j'ai rien lu sur ça. Par contre, il y a des nains, il y aurait potentiellement des nains asiatiques qui seraient vers les variags de Ken et tout ça. Il y a d'autres tribus naines bien plus lointaines en fait, donc allez savoir comment elles ont évolué. Osgiliath est sous attaque. Erebor est assiégé, que des bonnes nouvelles! Rioting Azadkala, Kerandros est sous attaque! T'as pendant que moi je fais le fifou là? Allez, une mariée! Ok, parfait. Bon, il est temps de préparer la grande expédition. La grande expédition en direction Oh, je peux construire une nouvelle. Je peux faire deux généraux nains, deux zéniths gardes en même temps! Je vais me régaler. Alors, Steelmonger, on va mettre des armories parce que... Oh, le siège a été levé ici, incroyable. On va réparer les bâtiments. J'en suis où là? 55%, putain, dépêchez-vous. Ici, je ne peux... Ah, j'ai un espion qui est là, parfait. Oh, regardez les elfes! Les elfes, ils sont chauds! Le coup de pouce que je leur ai donné... Je vais être tranquille avec les monts brumeux parce que je pense que les elfes vont aller faire le ménage. Faire animateur Twitch à plein temps, animateur Twitch. Mais là, là avec le Covid et Omicron, je peux pas bosser, bah... Là, je fais presque 2 streams par jour. Techniquement, je suis un streamer à plein temps. Quand j'ai le temps, je stream. Donc ouais, je suis un à mi-chemin entre mi-temps et plein temps. Je pense que les elfes sont sur le bon chemin. Je pense que les elfes sont sur le bon chemin. Je vais prendre le risque de retirer mes meilleures unités et de commencer à... Attends, alors ça... on va ramener ça, ça... Ça, je vais les laisser. On va prendre... Non, pas les bandits. Allez, on va les dégager ça. Ah, il veut pas, d'accord. On va préparer vraiment une grosse armée. On va amener une énorme armée naine au Mont Brumeux. Toujours pas associé, mais figure-toi que je peux dans les conditions. Mais j'avais déjà fait une demande, il m'avait dit non parce que mes chiffres étaient trop irréguliers. C'est-à-dire que j'avais des streams très vus, qui sont U4, et d'autres qui étaient sous la moyenne. Donc ils m'ont dit, bah retente dans 2-3 mois quand tes chiffres seront meilleurs. Donc je verrai en février, je suis pas pressé, je m'en tape. L'important c'est que je m'amuse et que je fasse du contenu qui intéresse les gens après. Ça ne va pas changer radicalement quoi que ce soit, le merdier. Karine, Karine, putain, ça fait tellement penser à Zemmour qui avait dit à l'autre là, bah, t'as qu'à t'appeler Karine, tu vois, en terre du milieu, Karine, putain, ils auraient vraiment pu lui donner le nom d'une reine ou d'un personnage connu de Numenor qui aurait
Voilà quoi. Putain, le son, le son, le son. Non. 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 Voilà, je suis désolé, je suis obligé de gueuler, sinon je me fais flag. Corinne. Vous imaginez, il aurait appelé Corinne. Ça aurait été génial. Corinne, putain, le foutage de gueule, quoi. Corinne. Bon. Allez, encore 10 minutes. J'essaie de rassembler la grosse armée. Et après, on fera pas cette session aller pousser jusqu'à Goblin Town. Putain, si j'arrive à choper l'anneau aussitôt. Ah ! Par la barbe de Durin ! Alors que notre roi fait son couronnement, une large force d'archers gobelins. Donc là, c'est en fait, il nous raconte l'embuscade. Une large force de gobelins archers avec des flèches empoisonnées dans l'embuscade. Heureusement, Olay, c'est le Valar qui a créé les nains. Merci à Olay que Tarkoon, c'est Gandalf. Que Gandalf est arrivé à l'aide de gobelins, à l'aide de Balin pendant l'attaque. Pour tout ce que nous savons, notre roi aurait pu être tué par une de ses flèches. Malheureusement, les rapports de Gandalf sur la force des archers, donc sur la force archer qui a mené l'embuscade, c'est que ce ne sont qu'une scouting party, donc une troupe de reconnaissance pour une armée envoyée par le Balrog. On a une énorme armée qui arrive. Dépêchez-vous de retourner avec Balin et Gandalf à la Moria immédiatement afin que vous puissiez défendre contre les ténèbres qui se préparent à marcher sur vous. Là, en fait, pour simuler le Balrog qui est pas dans le jeu, vous allez affronter une énorme armée. J'avais pas prévu ça du tout, mais heureusement, j'étais en train de lever mon armée pour marcher sur la Moria. Ce qui fait que je vais avoir une putain d'armée, déjà, de prête sur place. Par contre, faudra pas que je perde... ouais, il me faut de la troupe, là. Non, c'est pas ça. Elle est où, cette armée? Alors, attends, ça, cette petite merde, là, je vais la dégager. Voilà, il dégage. Au revoir. Voilà. Où est cette armée Goblin? Je la vois pas sur la carte pour le moment. Je me rappelle plus par où elle arrive. Je pense qu'elle va arriver de l'autre côté, vu que c'est par là que sont arrivés les scouts. Steelmonger. Oh, Balin qui va recevoir de l'armement. Great Miner Hall. Ouais, ouais, ouais. Allez, hop. Quoi qu'attends, on va quand même mettre une grosse armurerie de Durin. Voilà. Y'a rien dans le fort. Non. Y'a rien dans le fort. Alors, là. On va envoyer les bonnes troupes. Les bonnes troupes défendre. Voilà. J'ai une belle armée, là. J'ai une belle armée. Ici. Oh. Hop. Oh putain, y'a plein de troupes gobelins avec des... Ah, c'est que des généraux gobelins, t'es sérieux? Ça, c'est de l'infanterie lourde. Ça me fait peur. Hein. Putain, et ici, allez, 60%. Vous m'aimez, là, les gobelins! Merde! Bon, en tout cas, j'ai une belle armée à la Moria. Et en plus, je suis en train de faire deux généraux en même temps. J'espère qu'ils vont avoir le temps de sortir avant qu'ils me tombent dessus. Regardez, il y a une troupe des elfes, là. Ça serait bien que tu ailles prendre les Gladenfield et que tu dégages l'autre Gogol, là. Bon, je crois qu'on est bon. J'ai pas de mission en cours. C'est parti. Je me rappelle plus trop de ce qu'il y a dans cette armée, mais ça doit pas être de la merde, je pense, hein, vu que c'est une armée d'event. Bientôt, la possibilité de recruter des vraies troupes. Bah, ouais. Surtout que j'ai une économie pas dégueu. Mais là, il faut que je me dépêche, hein. Tour 72, il me reste... Ouais, 14 tours. J'ai encore de la marge. Full troll, putain, parle pas de malheur. Les trolls, c'est infernal à buter, hein. Puis il y a un troll, un ou deux coups de troll mal placés sur ton général, et boum, quoi. Tu peux pas test, hein. Non. Là, le coup du téléport, c'est que j'avais pas le choix, parce qu'en fait, j'étais trop loin, mais non.
vous habituez pas à la console, hein, parce que j'ai appris, je dois avoir 2000 ou 3000 heures de jeu sur le mode, j'ai appris à utiliser la console là, hein. Je savais même pas que ça existait. Hein. Edora s'est tombé. Edora s'est tombé. Aïe. Aïe. Hortank Flourish, oh là là, Edoras qui tombe, tour 59. Pff. Relation diplomatique avec le Mordor. Attends, mais le Mordor est là? C'est une blague? Mais what? Oh là 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 là, le Mordor a déjà traversé l'Anduin. Ouais, là, toujours les émeutes. Alfung, Besiege, ça c'est une bonne nouvelle. Où est l'armée Goblin? Toujours pas d'armée Goblin, bah, on va continuer à produire. Hein. Regardez-moi ça, mes généraux. Regardez-moi mes putains de généraux. Là, je vais avoir une espèce d'armée, je peux vous dire. Kaboum. Hein. Ça va faire poum poum. Hein. Voilà, des... Hop. Donc là, j'attends. Le plan, c'est que j'attends... En fait, le problème, c'est que je ne sais pas où est cette putain d'armée dont il me parle, là. J'espère qu'elle va pas arriver par le sud. Normalement, non. Les scouts étaient ici, donc je vais supposer que ça va arriver par là. Allez, on est en train d'améliorer tout l'armement. La mère de Boromir et de Faramir est bonne, mais hein ? Soigne-toi, hein ! Tu sais, si tu veux faire de la fanfiction, j'ai des sites internet, je pourrais même, si tu veux, je pourrais te prêter mon abonnement Gold à Pornhub, et voilà. Regarde ta liste de généraux. Bah, allez, pourquoi tu veux que je regarde ma liste? Il faut me dire pourquoi tu veux que je fasse quelque chose, parce que je m'en tape, moi, de ma liste de généraux. J'en ai pas beaucoup de généraux, hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Regardez-moi cette armée elfe! Magnifique. Alors attendez, là je peux continuer à faire de la troupe. Large Pick Farm. Non. Ouais, Large Pick Farm, c'est parti. Et je peux relever de la troupe. Ici je peux pas. Il y a peut-être Gandalf. Non. Il n'y a pas Gandalf. Gandalf est pas jouable avec les nains. Il est juste là par event. Enfin, il me semble, en tout cas. Allez. Pépé qui a un abonnement platine sur le OnlyFans de Amourent. Oh, putain. T'as regardé Gandalf, il est là. Gandalf, il est là, mais pas avec moi. Avec les Dunedins. Alors ça, c'est un bug du jeu. Techniquement, Gandalf va mourir dans votre chaîne d'event, mais il sera toujours en tant que général avec les Dunedins. Bah ouais, ça serait un peu dégueulasse pour le joueur Dunedin qui d'un coup Gandalf disparaît. Non. Le pauvre Gandalf. Bon bah j'ai pas eu de nouvelles des... Ils sont peut-être perdus en chemin, hein. Peut-être que le Balrog, on n'en parle pas, mais est-ce que le Balrog il a un bon sens de l'orientation? Mais j'ai le Balrog avec sa carte, mais merde! On m'a jamais appris à faire ça! Ah bah ça y est! Aïe! Y'a des trolls! Des Ourouks des montagnes, trolls, infanterie lourde, 3... Oh là là, y'a de la bonne. C'est de la bonne troupe. C'est de la bonne troupe. Y'a le général, Gorbag. Bon, on va finir ce soir avec cette bataille, hein. Bon, heureusement que j'ai... Bah, en fait, j'étais en train de préparer ma grosse armée. Je pense que ça va le faire tranquille. Ça va le faire crème. Putain, vivement qu'ici, je finisse ça, là. Parce que là, il y en a plein le cul, hein. Alors, attendez, on va lancer les constructions. Tonegard, excellent. On va pouvoir faire des unités. Tonegard, Miner Quarters, c'est parti.
Comment? Non mais, hey, le Balrog. Alors peut-être que certains ne savent pas ce qu'est un Balrog. Certains ne sont peut-être pas familiers avec le lore du Seigneur des Anneaux. Un Balrog, au premier âge, vous avez Morgoth qui est un des Valar. Et Morgoth est rentré en guerre ouverte avec les autres Valar. Pour entre autres détruire les hommes, les elfes, et détruire toutes les races créées par les autres Valar. Et Morgoth a attiré autour de lui un paquet de demi-dieux. Enfin, de dieux, on va les appeler, hein. Donc Saruman, Gandalf, Sauron sont des Mayas, des dieux. Et Sauron, d'ailleurs, était le lieutenant, un des lieutenants de Morgoth au premier âge. Et Morgoth n'allait pas souvent sur le champ de bataille, mais il déléguait ses armées à des généraux, donc à des généraux d'immortels, et ce sont des Balrogs. C'était des Balrogs, c'est comme ça qu'on les appelait. Le chef de ces Balrogs, c'est Gosmog, qui va être tué pendant la chute de Gondolin. Donc le Balrog qu'on voit dans le film, c'est pas un démon comme il l'appelle, c'est un des anciens généraux de Morgoth, qui a survécu au premier âge et qui s'est planqué dans la Moria très profond pour qu'on lui foute la paix. Et on sait pourquoi il voulait anéantir les autres races, bien sûr. Tous les Valar pouvaient créer, Morgoth n'avait pas le pouvoir de création. Donc il était excellent à corrompre. Donc il va essayer de corrompre les autres races, c'est pour ça que les dragons sont une corruption des aigles. Les orques et les gobelins sont des corruptions des elfes. Bon allez, on va aller faire la bataille. Chop chop. Il s'est pas planqué d'abord à Angband. Non. Là, ce Balrog qui a survécu, il a sûrement survécu à la guerre du Kourou au premier âge. Il a réussi à survivre, il s'est planqué. Hein. Donc Sauron. Le Balrog ne prend pas les ordres de Sauron, parce que le Balrog est quasiment est l'égal de Sauron, en termes de statut. Sauron était un des petits lieutenants de Morgoth, et pas le meilleur, pas l'anquien. Morgoth n'avait pas forcément trop confiance en Sauron. Sauron était c'était le concierge d'Angband. Et oui, les nains l'ont réveillé. Ces cons de nains sont allés réveiller un ancien général de Morgoth. Ça pique. Les orques peuvent se reproduire, bien sûr. Mais oui, le Balrog, il voulait prendre sa retraite. Il voulait qu'on lui foute la paix, le Balrog, genre, putain, un âge entier à faire la guerre, laissez-moi tranquille. Et là, d'un coup, il y a ces cons de nains qui creusent pour du mithril, qui tombent sur un ancien général de Morgoth qui faisait un goupillon. Bon, grosse bataille. D'ailleurs, c'est Lord Owen qui commande. Avec, putain, il a 63 infanteries lourdes, Owen. Ah non, mais il y a une double armée, en fait. Il y a une double fucking armée. Non, je les ai... Alors, les Seigneurs des Anneaux, je les ai. J'ai pas le Silmarillion parce qu'il est en France. Mais ouais, à force de lire et tout ça, tu finis par connaître le lore assez tranquillement. Bon! Nous avons affaire à une énorme armée. Ah ouais! Regardez! Le pont de Khazad-dûm! Comment on va jouer ça? Il y a des trolls. Il faut que je fasse attention que mes généraux se fassent pas péter le boule par les trolls. Les archers, là, il y a une excellente pente pour les archers. Hop. Voilà. Là, ils vont se régaler, les archers. Et on va faire éponge avec du singe. Ouais, on va simplement envoyer des renforts à la suite. Voilà. Et après, on enverra les généraux au casse-pipe. On va pas envoyer les généraux tout de suite. Hein. On va d'abord laisser mon infanterie se faire péter le cul. Parce que, en temps normal, j'enverrai d'abord les généraux. Mais là, il y a des trolls et il y a de l'anti-infanterie. Il y a de la très très grosse unité lourde. Donc je veux d'abord essayer de leur faire un peu bobo. Me débarrasser des trolls. Et une fois que les trolls seront un peu dans un sale état... Je pourrais commencer à envoyer mes généraux. Mais là, je peux pas prendre le risque de perdre des généraux sur un mauvais coup de troll qui passe. Donc là, je vais envoyer du singe. Voilà, regardez, voilà, on va faire un mur. Un mur de singe. Un mur de singe. Avec de la réserve derrière. Et on enverra les réserves au fur et à mesure que mes premières lignes se font éroder. C'est parti. Et là, le Balrog... Non, le Balrog, heureusement, n'est pas dans le jeu. Mais je crois que dans la 5.0, dans la prochaine, Scoffron, toi qui es peut-être mieux au courant, le Balrog, il est pas censé
être remis dans la 5.0? Non, Gandalf n'a pas participé à la guerre contre Morgoth. Gandalf, en fait, est un jeune arrivant en Terre du Milieu. Hein. Gandalf est arrivé au troisième âge. Il est arrivé très tardivement en Terre du Milieu. Donc Gandalf est un immortel, hein. c'est un Maya, mais il était à Valinor. Tout comme Saruman, Radagast, ce sont des Mayas. Mais ils sont arrivés au troisième âge, donc ce sont les magiciens. Les magiciens sont arrivés au troisième âge pour... Oh, regardez! Regardez! Le sol tremble! Attendez, on va mettre le son. Ok. Il y a toute l'infanterie qui arrive derrière. Putain, infanterie médium et tout. Je vais prendre cher. On va essayer de leur faire des pertes. C'est pas des trolls de bonne qualité. C'est les premiers trolls. On va essayer de les saigner à coups d'archer. Voilà. Si j'arrive à en tuer un ou deux avec des flèches... Oh, j'en ai eu un! Oh, la position des archers, elle régale. Voilà pourquoi vous voulez pas vous... Oh ouais, mes archers. Allez, saucez-les. Et c'est qui a mené la grande guerre contre Morgoth? Alors les elfes ont perdu contre Morgoth. Les elfes, après la chute de Gondolin, qui était le dernier royaume des elfes, Morgoth a gagné. Morgoth a mis quasiment tous les elfes à exterminer ou les a mis en esclavage. Et bah il y a un ou deux survivants qui sont allés à Valinor, ce qui était interdit normalement. Donc Valinor qui était là où il y avait tous les Valar. Où Morgoth était un Valar, hein. Mais Morgoth était pas là. Et ils sont allés plaider leur cause auprès des Valar. Et ils leur ont dit, écoutez, on a l'un des vôtres qui est en train de tous nous exterminer. Ça serait bien que vous bougiez le cul. Et les Valar ont dit, bah écoutez, on va venir. Et les Valar ont débarqué à Beleriand. Donc Beleriand qui a sombré dans les flots après la guerre du coup. Donc Beleriand qui est à l'ouest des montagnes bleues, là où il y a les nains des Red Wings sur la carte. Et on a la guerre du Kourou qui a duré 40 ans, où c'est littéralement une guerre des dieux, hein, avec les dieux qui contrôlent les éléments, des tsunamis, Morgoth qui fait popper des volcans, voilà, sur le genre de guerre dans laquelle on est. Hein. Et au bout de 40 ans, Morgoth a été battu. Beleriand a sombré dans les flots. Et bah voilà. Donc ça, c'est les guerres du premier âge. Donc les elfes au premier âge sont super badass, hein, ce sont des super soldats et tout. Hein, on a même Fingolfin, un elfe, un prince elfe, qui va défier Morgoth en combat singulier. Hein. Imaginez, le mec va voir un Valar, et il défie, il va taper à la porte d'Angband, la forteresse de Sauron, de Morgoth, il va dire, écoute, je te défie, mec. Et bah Morgoth, il pouvait pas se dégonfler, donc il est venu se battre contre Fingolfin en combat singulier. Genre voilà pour vous dire, les elfes du premier âge, rien à voir avec les tapettes qu'on a au troisième âge. Bon là je les sauce, hein, les archers se régalent. Hein. Y a plus de... Bon c'est parfait. Même mes nains, mes troupes, mes petites troupes sont en train de pousser. Regardez mes nains, ils en ont gros. Allez, dégagez. Dégagez les clodos. Ah oui, alors Morgoth ne peut pas être tué, hein, c'est un Valar. Donc ils l'ont enfermé dans la prison du vide d'un des autres Valar. Donc il y a d'ailleurs une prophétie, la prophétie de la fin du monde, où Dagoras, où Morgoth reviendra, s'évadera de sa prison et reviendra en Terre du Milieu. Bon là, je crois que mon unité, elle est en train de se faire saigner, non, même pas. C'est moi qui suis en train de les saigner complètement. Oh là 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 là, mes nains sont déchaînés. Je vais me replier. Parce que là, je pars beaucoup trop loin. Ouais, je sais, costaud, je sais. Alors, costaud, même avec le mode bouclier, c'est un bug qu'ont les nains. Même avec le mode bouclier d'activer, ils le font quand même, malheureusement. C'est quelque chose d'assez fatigant, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai toujours eu ce problème... Là, en fait, je veux qu'ils reviennent à portée de mes archers. Mais regardez-moi ces cons, comment ils sont buggés. Aïe, 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 aïe. Bon, là, par contre, c'est un abattoir, c'est très pratique.
32% de perte, je me régale. Si je peux ne pas prendre de perte, ça serait le top. Les unités, je vais les recompléter, c'est pas grave. Bon, bah, mes mecs sont buggés, malheureusement. Ils sont complètement buggés. Bah, ils vont... Non, mais n'y allez pas, putain! Le bouclier serré ne marche pas avec les nains. Pas avec le mode Shieldwall. Le jeu est buggé sur ça. Même avec le mode activé du bouclier, les mecs bougeront quand même. Surtout sur le premier impact. C'est très très chiant. Je pense que c'est un bug avec le pont. Hein. Le pont est quand même un peu bizarre. Regardez comment les troupes sont stackées. C'est un bug avec le pont. Sans aucun doute. Allez, c'est pas grave. Je voulais qu'ils viennent sur le pont. Regardez, regardez. Ils y retournent, ces cons, là. Et non, mais ça change rien. Allez! Alors, non, malheureusement, le mode garde ne fonctionne pas avec le Shieldwall. Ce qui est très chiant, parce que il marche très bien avec les phalangistes, mais pas avec les Shieldwall. Bon. Il n'y a plus que du singe. Alors, il y a encore un peu des vies. Il n'y a plus les gobelins. On va envoyer tous les renforts. Voilà. C'est parti. Vitesse x6. Oula, oulala, oula, petite lag. Oula, petite lag. Ouais, c'est ça. Le mur les aspire. Oh merde. Putain, là, ça bug. Non, ça va trop vite. Ça lag. Bon, on va pouvoir envoyer Balin, on va envoyer les généraux. Voilà. Là, il y a les Heavy Uruk qui vont faire très mal. Les archers, cassez-vous. Les archers, cassez-vous. Voilà. Bon, j'ai pris 20% de perte dans mon infanterie. On est en train de les faire tomber. Oh, regardez, regardez l'infanterie lourde. Les espèces d'épées qu'ils ont. Eux, ils me découpent, hein. Bon, je suis en vitesse x2. Maintenant, j'ai plus grand-chose à faire à part attendre. Essayer de pas me faire wiper des unités, mais là, bon, on est bien. Alors, un petit coup de trompette. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont solides, les Uruk des montagnes, là! Oh putain! Oh là là, Balin qui vient de prendre une perte. Ils ont pris 60% de perte. 62, allez, on va même aller plus vite, 60, voilà, allez. Ouf, ouf. C'est vrai que ce genre de mêlée, ça manque au Total War. Mais c'est parce que le moral, bah c'est... Voilà quoi. Oh, j'ai eu le général! Peut-être que le moral va s'effondrer et que je vais pouvoir faire des prisonniers. Regardez les prisonniers que je fais! Ça s'effondre! Le moral s'effondre! Magique! Allez, à l'attaque! Putain d'archer qui me sauce. Il a pris 80% de perte. Par rapport aux autres Valar, alors Morgoth était le plus fort des Valar, c'est parce que Morgoth est le premier Valar. Mais il a tellement utilisé ses pouvoirs pour corrompre, 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 pour créer des dragons et tout ça, qu'à la fin, ses pouvoirs sont devenus extrêmement faibles parce qu'il les a trop utilisés.
Du coup, c'est le Balrog qui va payer la rançon. J'imagine le Balrog qui attend dehors. Mais putain, qu'est-ce qui branle? C'était censé être vide. Une armée d'Event. Bah, en tout cas, j'ai 310 prisonniers. Et ils appartiennent au Mont Brumeux. Je pense que je vais pouvoir les rançonner, moi. J'espère que je vais pouvoir les rançonner. Oh, ça fuit, ça y est. Ça y est. Allez. Bon, malheureusement, je peux pas les poursuivre. Quoique, 340, 342. Allez, allez, allez. Allez. Bougez-vous le boule, là. 360. Dehors, les clodos. Ok, là, malheureusement, il va me larguer. Il est plus rapide, cette infanterie légère. Quoique. Allez, 380. Non, allez, c'est bon. Pas mal. On va voir si je vais pouvoir les rançonner. Le Balrog, encore un boomer. J'imagine tellement le Balrog. Mais putain, ces orques à la con, ils sont aussi nuls qu'au premier âge. Mais qu'est-ce qui me prend de compter sur eux? Va falloir que je trouve une autre caverne pour me planquer. Et notre tafiole de Sauron, là. Ben, voilà. Putain. C'est vrai que ça fait très boomer, le Balrog. Je me rappelle de mon époque, c'était pas la même. On me traitait avec respect. Allez, regardez, je peux le rançonner. 1470. Et il paye. Il paye. Par contre, il y avait une autre armée qui attendait. Ah ouais, mais ça, c'est une autre armée. Alors, un event. Durin's Bane, donc c'est le nom du Balrog, la malédiction de Durin détruit. C'est fait. La malédiction de Durin et son armée de renforts gobelins ont été défaits. Notre roi et ses guerriers ont combattu bravement contre la force en supériorité numérique. Mais le magicien Gandalf, c'est le magicien qui a délivré le dernier coup au Balrog. Terrible nouvelle, néanmoins, monseigneur, Tarkun, donc c'est le nom nain de Gandalf, est tombé avec la bête. Et maintenant, a été sacrifié sur un flanc de la montagne. Nous allons jamais oublier le sacrifice de Gandalf. Gandalf est tombé, Gandalf est mort. Longtemps, nous avons craint cet ancien ennemi, cette terreur qui nous a chassés de nos mines. Plus jamais nous n'aurons de nouveau peur des profondeurs de nos mines. Nous devons envoyer des diplomates à Erebor, les Monts de Fer et Thorin's Hall, c'est Eredwin, les Montagnes Bleues, pour faire circuler le mot. Le plus de settlement, le plus de villes que nous allons conquérir, le plus de chances que nous allons recevoir d'aide des autres royaumes nains. Voilà. Une grande victoire pour les nains de Khazad-dûm. Pas mal. Rapport militaire! Nos armureries et nos lignes de ravitaillement fonctionnent maintenant à pleine capacité. Je viens de débloquer mes unités de tiers 2 et tiers 3. Vous pensez que vous avez vu des vraies troupes naines? Là, je me battais avec les miliciens du coin. Ah, Sturlutsa a été reprise des mains des magiciens bleus. La colère de Kend. Hornburg, le gouffre de Helm, est de nouveau assiégé. Kaer Andros sous attaque. Il est temps de recompléter l'armée. Recompléter les pertes. Il est temps de recompléter les pertes. Et de marcher direct pour aller prendre l'anneau, nom de Dieu. Khazad-dûm West. Voilà mes nouvelles unités, mes nouveaux bâtiments qui sont là. Zakkala, armure. On va débloquer immédiatement tous les tiers 2. Là, je suis déjà en train de le faire. Zakkala. Ok, c'est bon. Non, Zakkala, ça serait bien plutôt que je fasse... Zakkala, peut-être... Un pub. Ouais, je vais faire un pub à Zakkala, plutôt. Voilà. Les lieutenants de Morgoth se tiraient-ils dans les pattes? Non, ça se tirait pas dans les pattes, hein... T'avais un grand patron qui était Gosmog. D'ailleurs, dans le film, le général orc qui commande les armées du Mordor. Vous savez, celui avec la gueule déformée qui était Harvey Weinstein, hein, etc.
C'était, ils avaient trollé Harvey Weinstein. Hein. Avec la gueule déformée, il s'appelle Gosmog. Gosmog, c'était le nom du patron des Balrogs. Je trouve ça amusant. Et Grond, vous vous rappelez du bélier géant avec la tête de loup qui défonce la porte ? Ça, il s'appelle Grond. Bah Grond, c'était le nom du marteau de guerre de Morgoth. Donc, Morgoth a défoncé Fingolfin avec Grond. Donc c'était une énorme masse de guerre. Alors, ça y est ! Les dwarfs, les nains de Eredwin sont revenus dans le droit chemin. Ils se sont alliés aux elfes, aux Dunedains. Et on a une alliance entre le Rohan et Dorvignon. Intéressant. Alors, moi, ça serait bien que j'aille peut-être m'allier avec... on va dire Eredwin. Alliance. Hop, hop. Military Access. Allez, dis-moi que tu vas accepter. Putain, il accepte pas ce FDP, là ! Ok, je vais faire une offre moins... Alors, il faut que j'aille voir le Mordor. Putain, le Mordor qui est déjà là. Comment le Mordor est arrivé aussi vite ici? Incroyable. Tread right. Putain, le Mordor qui est là, quoi. Avec des troupes... Des troupes Haradrim, hein. Des putains de troupes Haradrim et des Variags de Kend. Oh là 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 là. Bon. Eh ben, on est pas mal. On va recompléter les pertes. On va s'autoriser un ou deux tours. D'ailleurs, ici, est-ce que je pourrais pas prendre ça et ça et ça? Hop. Putain, mais toi, tu m'emmerdes, là. Toi, tu m'emmerdes, là. À rester. Voilà, au revoir. Victoire claire, exécutée. Voilà. Bon débat. Allez, un dernier tour. Arkvolt, bonne soirée. Un dernier tour. Un dernier tour. Alors, qui assiège le gouffre de Helm? C'est sans aucun doute l'Isengard. Bon, on va aller se balader. Avant de quitter, je fais le tour là et on va aller se balader un peu, voir comment ça se passe ailleurs. Son merde! Merde! Putain! Tant pis. Bon, bah, je vais devoir encore magouiller mon truc. Fais chier. Ouais, les trolls. Mais ça va, ça me fait pas trop peur. Les trolls de Tyrann, ils aiment pas les flèches. Tu concentres quelques troupes de flèches dessus et c'est bon. Oh là là! Oh là 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 là! Le gouffre de Helm est tombé. Aïe 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 aïe. Putain, et là, je suis en train de me faire attaquer. Il va falloir que j'aille prendre Ostiendil. Hein. Bon, par contre, là, je commence à avoir une armée. Ça ne rigole plus, hein. Hop. Et je gagne de l'argent. Parfait. Les plofis chouants que je fais dans la Moria rendent l'entretien de mes troupes intéressant. Bon. Est-ce que je peux lever des troupes? Non. Je suis déjà en limite max. J'ai une énorme armée. Est-ce que ici je pourrais pas... Non, je peux pas malheureusement. Fais chier. Dans combien de tours? 5 tours. Je vais devoir attendre quelques tours le temps de finir de réparer mes troupes. Mais j'y suis presque. Et je vais y aller avec mes 4 généraux. Hein. 4 généraux sur 5. Non, 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 j'aime pas fusionner mes troupes. Je préfère les laisser en réserve et quand elles seront bonnes, on pourra les recompléter. Par contre, ici, il me fait chier, le mont Brumeux, il arrête pas d'envoyer des petits raids à la con. Oh, regardez, le Dunedain. Le Dunedain. Non, oui. Regardez là, en bleu, ça veut dire que l'elfe a pris les montagnes hautes du Rodor. Donc là, la forteresse qu'il y a ici est tombée aux mains des elfes, ce qui est une excellente nouvelle. Les elfes sont en train de commencer à pousser vers le nord. Et ça, vous êtes content quand ça arrive. Bon, on va aller voir ailleurs.
Non, c'est toggle. C'est... Non, je me rappelle plus. Toggle. Faux. Hop. Voilà. Bon. Oh là là, Lysengar. Oh là là, Lysengar. Il a... Ah, Lysengar. Alors, c'est pas bon, mais c'est pas catastrophique non plus. Il y a encore de gros stacks du Rohan, avec un bon général. Il n'y a pas d'énormes stacks de Lysengar. Il y a un monde où le Rohan retourne ça. Le problème, c'est le Mordor. Qu'est-ce que t'as le Mordor qui a... Qui a fait un push de ses morts. T'as Dorvignon qui est là, intéressant. Dol Guldur, putain, attends. Dorvignon qui s'est posé à Brunbot. Le monstre Dorvignon. Oh, il vend du rêve, Dorvignon. Par contre, il y a beaucoup de troupes du rune. Hein. Dorvignon est un monstre. Hein. Dorvignon est à Varfest. Oh, oh. Pas mal. Le problème, c'est que les abrutis de nains, là, sont en train de se faire éclater. Les nains se font éclater par... par Gundabad. Gundabad est un beau bébé. Il va falloir que je vienne les aider. Néanmoins... Oh non, même le Veil. Le Veil va se faire battre. Bon, on va tricher. Oh, regardez ce qu'il y a. À la capitale... Pff, quel monstre. Ah, le Veil est dans un sale état. Oh là là, le Veil est à l'agonie. Ils ont déjà perdu Duisbourg. Ouais, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Hein. Ouais, ouais. Je suis pas pressé. J'ai une bonne armée. J'ai une très très bonne armée. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Pour ce soir. Hop, session 2. Bon, merci pour les explications avec la console pour déplacer le truc. Gondor, ouais, Gondor, Gondor. Gondor. Gondor, ça tient. Gondor, ça tient. Putain, Kerandros, y'a aucune troupe dedans, endommagée. Osgiliath tient toujours. Osgiliath tient toujours. Et il y a encore des sacrés stacks du Gondor. Le Gondor a des énormes stacks de troupes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et au sud... aïe, aïe, aïe. Kerandros... Kerandros, c'est encore... Putain, Kerandros! Ah ouais, non, mais là, il y a Ardunem qui commence à pousser. Mais Kerandros, Kerandros, c'est bien. Oh, putain. Regardez-moi les Haradrim, ici. Pouf. Le stack des Haradrim, quoi. Pour l'instant, c'est pas catastrophique. C'est con que le Rohan ait perdu sa capitale, mais c'est pas catastrophique. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Il y a moyen de faire un truc de sympa. Bon, on va s'arrêter là. Demain, à 16h, on aura une minute archéologique avec Madame Skyros, Kadruka. Elle viendra nous parler, elle viendra nous montrer des trucs romains, des belles choses. Et moi, je viendrai parler de la mer d'Aral. La mer d'Aral, pour ceux qui ne connaissent pas. Dans les années 60, le quatrième plus grand lac du monde, qui aujourd'hui est un désert. Donc, je viendrai vous parler de la mer d'Aral et de comment on est arrivé là. C'est considéré comme le plus gros désastre écologique du 20e siècle, hein, la mer d'Aral, là. Et demain soir, je continuerai Darkest Tower. DH, demain soir. Qui renaît d'ailleurs la mer d'Aral. Oui, absolument. La mer d'Aral est en train, en tout cas, toute la partie nord, de renaître de ses cendres. Donc j'ai des très très belles photos de la mer d'Aral aujourd'hui. DH, et samedi, minute spatiale. Et samedi soir, je ne suis pas encore sûr à 100%, peut-être le début de la game de DH, avec GLaFS, le Japon, en coop, juin 44. Mais c'est pas sûr à 100%, j'attends sa confirmation. Mais il m'a dit qu'il me tenait au courant, donc sûrement demain. Voilà. La merde, ah, putain, là, là. Un jour, ah, tu vas aller trop loin et je vais te ban. Voilà. Et t'iras rejoindre ton pote Darfish au PMU à vous raconter vos conneries. Mais pourquoi tu te couches à des heures raisonnables? T'es pas chaud? Bah, je me couche toujours à des heures raisonnables. Je suis un boomer, hein, t'sais. Il me faut mes 8 heures de sommeil, donc je me couche pas trop tard. Voilà. Bon, sur ce, passe une bonne soirée. Passez un bon week-end pour ceux que je verrai pas, et sinon, bah, rendez-vous demain ou dans les prochains jours. Hop là. Allez, ciao tout le monde, salut. Passez une bonne soirée.